All right, welcome everyone. Please feel free to turn on your videos. Allumez vos vidéos, ce sera plus collaboratif si on se voit tous. Je vous remercie tout le monde d'être ici. Vous avez vu le programme, je le remets dans le chat. Excusez-moi, je me gourre toujours avec le time change, c'est inévitable. Ça fait presque 60 ans que je calcule mal. Bon, voici donc le programme. On a dû changer un peu l'ordre pour des raisons personnelles. Donc c'est Téléma qui va commencer. Et ce que je vous propose donc, c'est on va faire ça en pas plus de 15 minutes. Et puis j'imagine qu'on aura 5 à 10 minutes de conversation. Tout le monde devrait penser à intervenir. Tout le monde devrait penser à qu'est-ce qui pourrait aider. Quelles seraient des pistes de recherche, d'autres choses dont la chercheuse ou le chercheur n'ont pas, auxquels ils n'ont pas pensé peut-être. Donc l'idée en fait c'est de travailler ensemble. On va penser à ces interventions comme des work in progress. Si vous m'entendez tous bien, je pense, oui. Ok. Work in progress. Donc vraiment, on est ouvert. On veut céder, se aider, on cède, on S apostrophe, pas C-E-D-E-R, on cède et on est là pour se soutenir et pour penser ensemble, ok? Alors, je crois qu'on peut commencer, donc Télémaque va commencer avec une présentation sur l'abolition de la propriété et le UBI, Unconditional Basic Income. Et Télémaque, tu peux parler en anglais ou en français, comme tu veux. Donc, vas-y. Alors, c'est vrai que le texte que la présentation que je vais donner, merci Bernard, pardon. La présentation que j'ai donnée est basée sur... j'ai commencé à l'écrire en anglais pour te proposer un billet comme tu nous y avais invité, mais j'ai essayé de... Je pense que je vais essayer de faire ça en français, vu qu'il y avait des personnes qui m'ont dit qu'elles préféraient... Ouais. Ça va être une présentation succincte, seulement d'une partie de ce que je voulais présenter, mais j'espère que ça va être intéressant quand même. Et disons que pour faire simple, en gros, moi, mon sujet ce serait donc Basic Income and Abolition Democracy. On pourrait le prendre dans l'autre sens. Je vais essayer de faire parler un peu de Democracy, Abolition et Basic Income. Je droit dans le vif du sujet sur la notion de Abolition Democracy. Elle m'a beaucoup intéressé, notamment elle a commencé par me renvoyer à des réflexions sur la question de théorie démocratique. Et donc, notamment, elle m'a tout de suite renvoyé à la définition de la démocratie de John Dewey comme « Democracy as a way of life », un mode de vie. J'ai pu commencer à voir, il me semble que c'est une définition de la démocratie par opposition, enfin qui se distingue des définitions purement procédurales de la démocratie. Et que Dewey développe notamment dans son bouquin sur Democracy and Education de 1916, je crois. Et donc, je suis à peu près sûr qu'il y a un lien qui doit se jouer là pour Dubois, qui était un éducateur et qui, je sais, était en contact avec Dewey, mais j'ai pas pu plonger encore plus davantage. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait avec ça, c'est que cette notion de Democracy as a way of life, elle me renvoyait à un entretien qui m'avait beaucoup marqué de Cornelis Castoriadis, fait par Chris Marker, dont L'héritage de la chouette, qui est une série de documentaires que Marker a fait sur l'héritage de la pensée grecque antique dans la culture moderne, et dans lequel il y a un passage notamment qui m'avait beaucoup marqué. Alors, je le mentionnais en introduction parce que j'espérais pouvoir, dans la dernière partie de ce travail, vous parler de
de la guerre des mots. Parce que... Mais je ne suis pas sûr que je puisse le faire dans cette présentation, mais ce n'est pas grave, je vous le mentionne quand même. Donc Castoriadis évoque la guerre du Péloponnèse dans ses entretiens, et il évoque comment pendant la guerre du Péloponnèse les mots ont perdu leur sens, parce que la guerre du Péloponnèse c'était avant tout une guerre civile qui opposait dans chaque cité les oligoïs qui voulaient mettre en, les peu nombreux qui voulaient mettre en place une forme d'aristocratie et ceux qui voulaient mettre en place des formes de démocratie. Et il dit qu'il y a eu une énorme, au moment de la guerre du Péloponnèse, il y a eu une énorme usure du langage qui fait que, qui pour moi fait beaucoup écho à la situation actuelle qui me semble avoir été très bien décrite par l'expression de Geoffrey Hodgson dans Conceptualizing Capitalism, où il dit qu'on est aujourd'hui dans un âge d'obscurantisme terminologique et qui me semble nous poser un tas de problèmes. Mais donc surtout un autre point, c'est que dans cet entretien, Castoriadis évoque bien sûr que bien sûr la démocratie athénienne pour lui ce n'est pas un modèle, ne serait-ce que par rapport à la question de violence physique qui était impliquée, mais il a décrit comme une germe, donc une graine, une source d'inspiration dont on pourrait s'inspirer pour penser autrement notre relation au droit, aux collectivités, au pouvoir. C'est quelque chose qui me rappelait la notion qui est très forte dans le, enfin, qui a été reprise notamment dans la tradition libertaire anarchiste britannique de La graine sous la neige, The Seed Beneath the Snow. C'est le titre d'un recueil d'articles sur cette tradition-là. Et en fait, bon, il me semble que l'œuvre de Chris Marker, mais ça je passe, peut être vue notamment comme une recherche de cette graine sous la neige, notamment. Son fameux film Le fond de la haie rouge, Green Without a Cat, qui dépeint comment dans la décennie 67-77 l'idée de la enfin, l'émergence de la deuxième gauche et comment l'idéal révolutionnaire a échappé au Parti communiste. Et en fait, tout ça m'a amené aussi, donc, qui s'intéresse notamment à l'émergence des idées autogestionnaires et à la contestation du Parti communiste. Et ça m'a amené, donc, en dernier point, cette notion de démocratie, de théorie démocratique française, aux travaux de Pierre Rosanvallon, qui notamment en fait, a commencé dans cette deuxième gauche en fait, et avec des travaux sur l'autogestion, et qui a formulé ce qui est, moi, la théorie démocratique la plus sophistiquée que j'ai rencontrée jusqu'ici, mais qui, je crois, n'a pas encore publié par écrit ou seulement très marginalement des articles sur les cours qu'il a donnés entre 2010 et 2013 sous le titre « Esquisse d'une théorie générale de la démocratie ». Et donc, je crois qu'il y a un court texte qui s'appelle « Réflexion sur le populisme », je crois qu'il est sur la vie des idées, qu'il a publié en 2010, qui résume un peu l'idée de base. L'idée de base étant de dire, chez Rosanvallon, il y a l'idée que le peuple est introuvable. Donc, démos kratos, c'est le pouvoir au peuple, mais le peuple est introuvable. Et du coup, en fait, parce que le peuple n'est jamais immédiatement là, il faut à chaque fois le construire pour pouvoir le saisir. Et du coup, Rosanvallon propose une sorte de typologie, enfin, en disant, alors il y a plusieurs peuples, plusieurs formes de représentation du peuple. Le peuple, donc, il a des noms comme peuple principe par les cours constitutionnels, peuple arithmétique électorale. Enfin, il a plusieurs catégories que je n'ai pas bien en tête. Et surtout, son message principal, c'est-à-dire pour réaliser la démocratie, il faut la compliquer, il faut multiplier les formes de représentation possible, d'incarnation du peuple et répartir le pouvoir entre elles pour pouvoir la réaliser mieux. Et donc en fait, ça c'est quelque chose qui je pense serait intéressant. On va revenir en quoi, parce qu'effectivement mon sujet, moi, c'est là, ce serait plutôt l'éradication de la misère ou de la pauvreté. Il me semble que c'est quelque chose à prendre en compte. Et le lien en fait là-dedans se fait dans le dernier point sur cette notion de démocratie. C'est un passage de Une chambre à soi de Virginia Woolf, qui en fait, donc Virginia Woolf, c'est une série de conférences que Woolf donne, Une chambre à soi, dans un lycée, une institution d'éducation de jeunes filles, où elle pose cette question, why were there no women Shakespeare? Et prend l'idée de la sœur de Shakespeare qui est morte, enfin, qui serait morte dans la rue sans avoir pu produire ses pièces. Et en fait, la réponse qu'elle donne dans A Room of One's Own, c'est dans le titre, en fait, c'est pourquoi il n'y a pas eu de femme Shakespeare. C'est parce que pour pouvoir être Shakespeare, pour pouvoir créer des choses intellectuelles, des œuvres artistiques, il faut avoir une chambre à soi avec un verrou sur la porte et 500 livres de rente.
Alors souvent, le titre raccourci, c'est une chambre à soi. Mais, et en fait, il y a notamment un passage dans ce bouquin où, en fait, où Wolf reçoit, enfin, bah, donc pas Wolf, mais le personnage, mais donc c'est Wolf, reçoit si elle obtient ça, c'est parce qu'elle reçoit une rente de la part d'une tante qui meurt en Inde, une chute de cheval. Et en fait, du coup, elle reçoit cet héritage qui lui donne cette rente et lui permet de sortir de la précarité. Et en fait, elle reçoit cet héritage exactement en même temps qu'elle reçoit le droit de vote des femmes que les suffragettes ont obtenu par les luttes des suffragettes. Et elle a ce moment où elle dit des deux, je crois que je préfère je crois que je préfère ma rente. Je crois que je préfère cette somme. Il y a quelque chose là-dedans sur la notion que la démocratie, c'est plus que le droit de vote. Et donc sur la notion de démocratie économique. Et qui fait écho, en fait, là, pour enfin arriver à commencer d'évoquer la notion de revenu universel. En fait, l'expression de revenu universel même, elle est construite sur celle d'allocation universelle qui a été développée par Philippe Van Parijs dans les années 80 à partir de la notion de suffrage universel. Et d'ailleurs, elle en a les mêmes propriétés, mais je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, on verra dans les questions. L'universalité s'arrête aux limites de l'univers, et si cette phrase vous intrigue, on pourra en discuter. Alors, le lien, pour commencer à rentrer plus dans le vif du sujet, ce serait cette citation de Gustav Landauer que j'ai citée plusieurs fois, mais qui me revient pour lier tous ces éléments que j'ai mentionnés ensemble. Gustav Landauer, pour cet anarchiste allemand du 19e, le détruire l'État, ça ne consiste pas en détruire des bâtiments ou tuer des personnes, ça consiste en construire d'autres façons d'être ensemble les uns aux autres, d'être d'autres façons de... Et en fait, ça renvoie directement, ça fait directement écho à la façon dont Martin Luther King avait défendu la mise en place d'un revenu inconditionnel, d'un revenu garanti aux États-Unis, dans son dernier livre publié peu avant sa mort, qui s'appelle Where Do We Go From Here? Chaos or Community, qui est publié, je crois, en 1969. Et dedans, il faisait explicitement l'argument que l'introduction d'un revenu inconditionnel, d'un revenu garanti, transformerait nos, le aurait un huge psychological impact, transformerait le principal intérêt serait celui-ci, serait qu'il y aura un changement des relations sociales qui se déroulerait là. Et alors, Luther King était sans doute influencé dans sa défense par les écrits de le fait que Tobin et Mead, James Tobin, le tax Tobin, dans les années 60, en tant qu'économiste, avaient publié des choses sur la mise en place de Basic Income, Negative Income Tax, Demogrant, qu'ils pensaient explicitement comme une façon d'améliorer la situation des citoyens noirs américains, enfin, états-uniens. Et donc ça me permet de faire un point aussi pour lier les choses ensemble et pour qu'on reste sur ce sujet de abolition democracy, qui est que la pauvreté, c'est un point qui est sur la pauvreté, ce n'est pas, et surtout la pauvreté et la misère, ce ne sont pas des choses abstraites. On en parle comme des choses abstraites, mais ce ne sont pas des choses abstraites, ce sont des choses très concrètes qui sont très incarnées dans des personnes. Et donc la pauvreté, la conséquence de ça, c'est que la pauvreté n'est pas une chose neutre, ni au niveau du genre, puisque partout les personnes pauvres sont principalement des femmes, ni au niveau, bien sûr, des questions raciales, puisque il y a un énorme biais contre les personnes non blanches, voilà, qui sont massivement plus pauvres, pour des raisons qu'on connaît bien, historiques, peu importe. Et donc, bon, mais bon, peu importe, à la limite, ce qui est important pour la présentation là, c'est que le soutien de Martin Luther King n'était pas unqualified. Martin Luther King avait posé pas forcément des conditions, enfin, deux choses qui pour lui semblaient nécessaires pour garantir qu'un revenu garanti serait émancipateur, source d'émancipation, qui était d'une part qu'il fallait qu'il soit d'un niveau assez substantiel pour faire une différence, et d'autre part qu'il fallait que ce montant soit indexé au revenu du reste de la population pour qu'il reste à ce niveau substantiel. Alors là, moi, ce qui me semble très intéressant, c'est le parallèle entre le soutien, le qualified support de Martin Luther King et celui qui a été apporté à la notion de revenu inconditionnel par André Gorz.
André Gorz. Et notamment, c'est un soutien qui commence par le titre du bouquin dans lequel Martin Luther King apporte ce soutien, Where Do We Go From Here, Chaos or Community, et un des derniers articles écrits par Gorz, dont le titre est La sortie du capitalisme a déjà commencé, et dans lequel il explique que cette sortie a déjà commencé, elle sera barbare ou civilisée. Et ce Chaos or Community, sortie barbare ou civilisée du capitalisme. André Gorz, bon, rapidement, André Gorz, c'est un précurseur de l'écologie politique en France, un juif allemand qui a fui les nazis, un romancier dont le premier livre a été préfacé par Sartre, qui est ensuite devenu un journaliste critique des ravages écologiques du capitalisme au Nouvel Obs quand il a été créé, et qui a théorisé un marxisme existentialiste. Et Gorz, donc, il soutient le revenu universel inconditionnel à la fin de sa vie, après s'y être longtemps opposé, et sa condition, c'est pareil, mais pareil, qualified support, que ce soit d'un montant suffisant pour pouvoir refuser un emploi capitaliste. Ce qu'il veut, c'est ça. Alors, aujourd'hui, donc là, on arrive, je ne sais pas, how am I doing with time? J'ai pas pris je crois que tu devrais terminer dans pas plus que 2 minutes. Hein, parce pas que... plus que 2 minutes, d'accord. On va aller très, très, très vite. Alors, pour conclure, aujourd'hui, il y a une distinction qui est faite entre la notion de revenu de base partiel et complet, avec une expression de partial basic income qui est utilisée pour désigner des montants de revenus universels dont un montant serait trop faible et qui se réclame des qualified support de Gorz et Luther King, et qui en fait est un énorme problème pour moi. Et donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de l'origine de ces notions. Je peux vous dire tout de suite que ce problème, il vient du fait que du coup, cette notion est utilisée est beaucoup utilisé soit pour refuser de soutenir, soit pour activement s'opposer à des propositions concrètes de mise en œuvre d'un revenu inconditionnel. Et que ça a un écho historique très direct avec le fait que, en fait, dans les années 60, quand Martin Luther King prend position pour un revenu inconditionnel, l'ensemble de l'espace politique états-unien est convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Est convaincu que ça va arriver, on va mettre en place un revenu inconditionnel, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en fait, que ça va arriver. Et en fait, du coup, sont mis en place notamment des expérimentations, qui sont d'ailleurs les premières, à ma connaissance, les premières expérimentations de politique publique qui ont jamais été mises en place, et politique publique économique, et c'est. Et en fait, à la suite de ces expérimentations, je passe les détails aussi, mais disons qu'elles ont au moins assez bien réussi pour que Nixon. Avance une proposition de revenu garanti qui s'appelle le Family Assistance Plan. Et en fait, ce Family Assistance Plan, qui est une forme de proposition de revenu garanti, qui s'inscrit du coup à la suite de la... Enfin, qui, du coup, alors Nixon était... mais qui s'inscrit à la suite au moins de la guerre contre la pauvreté, il va être, ce qui est très important à retenir, c'est qu'il va être tué au Sénat par une sorte d'unholy alliance entre les conservateurs et l'extrême gauche. Les conservateurs, avec tout le discours réactionnaire qu'on peut attendre d'eux, sur l'oisiveté, peu importe, et l'extrême gauche qui va considérer que ce montant ne serait pas assez suffisant, pas assez ambitieux. Et ça, la défaite du Family Assistance Plan, c'est le début de la fin aux États-Unis sur ces questions. C'est le début de la descente et de l'introduction du thème du workfare qui va nous amener dans les années 90 à PRORA, à une loi fédérale qui oblige tous les États, s'ils mettent en place des formes d'assistance, des formes de garantie de revenus, à les conditionner à des formes de travail forcé, de travail non payé, sous peine de quoi sanctions, notamment réduction des allocations. Ce qui fait que dans le milieu des années 90, là, notamment un des endroits, les travaux de nettoyage de la ville de New York sont pratiquement tous réalisés par des gens qui sont au minimum sociaux et qui sont mis au travail de façon forcée. Pour conclure, parce que c'est 2 minutes, donc la notion de revenu de base partiel, pour moi, nous amène au même point, et elle est extrêmement dangereuse. Et sachant que des formes de workfare ont été introduites en Allemagne, et donc la solution, pour moi, ce serait de distinguer entre un sens étroit et un sens large de la notion de revenu inconditionnel. Mais là, si je développe, je mange sur la... Ouais. Bon, passons à la discussion parce que c'est fascinant ton projet et je ne sais pas si les autres veulent intervenir. Moi, certainement le the link to Virginia Woolf
To me, pour moi, c'était vraiment ce qui a vraiment donné du sens à ce projet. Plus, il me semble que le lien aux questions et à la démocratie, à la question de la démocratie. Donc, je me demande la question, c'est est-ce que si on avait, a room of one's own et a revenue, a universal basic revenue. Je suis d'accord peut-être avec quelques, c'est peut-être plus important que le vote, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, quel est l'ajout de la démocratie vraiment? Qu'est-ce que ça ajoute à ces choses-là? So I would put pressure on, I mean, because in a sense, you're doing a lot of work, you're coming at it from a lot of different directions. And the one that I found most convincing was the Virginia Woolf. Could one imagine actually life, creative production as a way of life in a non-democratic system, if there was universal basic income and a room of one's own, which allowed one to create, really? What is it about democracy, about the belief that one is in fact determining the political space in a way that that is important? Also, bon, ensuite, l'histoire est fascinante. Travail remarquable, Martin Luther King, formidable. Je ne connaissais pas toute cette histoire, donc je suis ravi de lire. Aujourd'hui, bien sûr, c'est Andrew Yang aux États-Unis qui est le chief promoter de ces idées. Je ne sais pas si ça vaut la peine de. Et il a des expériments qui sont en train de prendre place, donc je ne sais pas si ça vaut la peine d'intersecter. Qu'est-ce que vous pensez, les autres? Jump in with feedback. J'aurais une question simplement. Je ne suis pas sûr de comprendre l'articulation entre la sortie du capitalisme et le revenu universel. Parce que la possibilité du revenu universel, si elle a un intérêt, c'est si elle permet d'éviter un emploi capitaliste. Donc, en somme, il n'y aura pas du tout évolution ou destruction de son propre fonctionnement du système capitaliste. Il y aura à la limite cohabitation d'emplois capitalistes et de personnes qui n'occupent pas d'emploi dans le système de l'entreprise et qui, à ce moment-là, vivront du revenu universel. J'ai l'impression que le revenu universel est présenté comme une sortie du système capitaliste alors qu'il est en fait adossé à lui. Vous voyez, comme si les deux étaient en cohabitation. Mais peut-être que je n'ai pas bien saisi. Hein. Ou peut-être, oui, qu'il y a un problème de facilitation, en fait. Peut-être. En d'autres mots, does universal basic income actually maintain a capitalist system or allow a capitalist system to maintain itself through consumption, for instance? D'autres réactions avant que Télémac ne réponde à Livan et aussi vas-y, Télémaque, alors. Alors, je prends ces deux-là. Donc, moi, c'est démocratie et capitalisme. Alors, merci déjà pour ces questions. Alors, moi, le lien aussi se fait pour moi dans Virginia Woolf, il se fait vraiment avec ce lien, avec le parallèle que Virginia Woolf fait avec le suffrage. Et donc, pour moi, il y a cette notion centrale, c'est vraiment celle de democracy as a way of life. Mm-hmm. Et ça, je pense, c'est quelque chose, c'est aussi quelque chose qu'évoque Castoriadis dans son... Mais si j'ai bien compris, Woolf, she privileges certain things over... Well, I think what she means to say is that the income that she gets... Yeah. Gives her more
power on society as a member of the demos gives her more agency than the voting rights. Right, right. That's the point. And the point is, if it goes back to the interview with Castoriadis, he also mentions, of course, Aristotle's point on the fact that the definition of democracy as that regime where everyone can be governed and govern. And the point here is that capitalism as a you know it, yeah and so for, so yeah and the point here is that capitalism is a problem to this, an obstacle to this. And this, to understand this also, le point c'était de revenir aussi, de faire à l'origine, je vais pouvoir faire développer du coup dans cette réponse un point d'histoire conceptuelle qui est sur cette notion de capitalisme. Alors la notion de capitalisme, ça c'est très important, la première définition de la notion de capitalisme, pas de capital, mais de capitalisme, elle apparaît en 1848 de Louis Blanc, le texte qu'on a lu l'an passé, où Louis Blanc dit « Il ne faut pas confondre l'utilité du capital avec la notion de capitalisme, c'est-à-dire l'accumulation du capital par quelques-uns à l'exclusion des autres, et donc le rapport de domination qui en est issu. » Et le problème, une des choses qui nous empêche de penser ça exactement, c'est que le terme de capitalisme a été quelque sorte volé, ou en tout cas... Non, mais en tout cas, c'est que le terme de capitalisme est utilisé de façon critique pour désigner ça, ce rapport de domination au long du 19e siècle. En fait, il entre dans la sphère universitaire avec Werner Zomba en 1902, Der moderne Kapitalismus, dans lequel Zomba étend beaucoup la notion. Et deux ans plus tard, Weber lui répond avec Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, où là, la notion est neutralisée, en fait. Et capitalisme devient presque synonyme d'économie de marché, en fait. Et ça, c'est un problème qui a notamment été dénoncé par Braudel, qui opposait le nom, mais ce n'est pas le seul. C'est un problème, et surtout, à la limite, chez Weber, ça se défend, mais le problème, ça va être ensuite que vous allez avoir notamment Ludwig von Mises qui lui va positiver la notion et va essayer d'associer économie de marché, ordre naturel, capitalisme, tout ça comme un seul tout. Et où je vais avec ça, je vais dans le fait de pouvoir dissocier ces notions qui nous permet de penser comment la réalisation d'une abolition democracy demande une forme d'anticapitalisme, et notamment dans le fait de libérer l'étreinte du capital qui pèse sur les individus pour qu'ils puissent... pour pouvoir développer ces différentes formes de compliquer la démocratie pour la réaliser. J'ai d'autres points, mais là je pense que dans la. Ok. Dans la réponse, c'est parfait. C'est parfait. Superbe. Un projet superbe. On sera tous. On anticipe ce bel essai. Merci. Merci Télémaque. Tu dois changer de mode pour aller sur ton téléphone pour le suivant, ok? Merci beaucoup, Léna. Okay. Bonne soirée, merci encore. Bonne soirée, hein? Ok. Alors, Bertie. Next, Bertie Mazari. Oui, je suis là. Bonjour, Bertie. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Une coopération citoyenne rousseauiste. Oui. C'est ça. Dites-nous tout. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Bertie. Alors, je suis vraiment aux prémices de cette recherche. J'en ai établi un petit peu la définition avec ma directrice, qui est Barbara Carnevali. Alors, elle se concentrera, enfin, le titre général, c'est la démocratie participative locale ou l'intégration d'une démocratie et d'une coopération citoyenne rousseauiste, avec une partie un peu plus de terrain avec l'observation des pratiques et usages de la participation à Marseille. Alors en fait, cette recherche, elle cherche à questionner l'hypothèse statuant que la démocratie participative s'inspire de la pensée rousseauiste. Alors en fait, déjà pour un petit mot sur la démocratie participative, en fait, il y a vraiment une émergence, une prolifération des initiatives et de pratiques participatives et délibératives citoyennes qui se présentent un petit peu comme des solutions complémentaires ou alternatives au processus décisionnel de la démocratie représentative. Et en fait, cette idée de la participation citoyenne,
En fait, elle prend ses fondements dans la recherche d'une justice sociale qu'on peut voir à travers différents auteurs. On peut remonter de Platon à Aristote, à Locke, Rousseau et dont Habermas. Et en fait, il y a Loïc Blondiaux, un chercheur sur la théorie sur la démocratie participative, qui explique, et d'autres chercheurs aussi, mais surtout lui, qui explique et qui montre que la démocratie participative, en fait, elle se théorise dans la pensée de Rousseau, d'abord en 1980 sur la pensée de Rousseau, et aussi sur ensuite sur la pensée de démocratie délibérative de Habermas. Donc en fait, au début, je pensais baser mon travail sur à la fois une analyse théorique du travail de Rousseau et de Habermas sur la démocratie, sur leur conception de la démocratie. Mais avec ma directrice, on s'est dit que ce serait un trop gros travail pour un mémoire de Master 1. Et donc, je pense, mais ce n'est pas encore définitif, que je me concentre seulement sur les théories rousseauistes de la démocratie ou de la République. Et en fait, l'hypothèse centrale, ce serait de rechercher si on dit que la démocratie participative s'inspire de la pensée républicaine de Rousseau ou démocratique de Rousseau, est-ce qu'on peut dire que cette pensée rousseauiste donne les prémices de la démocratie participative et aussi donc du coup d'une coopération citoyenne. Ça, c'est encore un petit peu de côté. Et en fait, on peut voir une mise en tension en fait entre le. En fait, ce que j'aimerais réellement chercher, c'est. On voit bien qu'il y a un essor de démocratie, des initiatives participatives, que ce soit d'un côté institutionnel ou des collectivités locales, des institutionnels et aussi du parti civil. Et en fait, si elles suivent bien ce précepte de la théorie de la démocratie participative, qui elle-même suivrait celle de Rousseau, en fait, si la théorie rencontre le terrain. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en fait... Et ce terrain, juste pour interrompre, oui. Ce terrain, c'est à Marseille, c'est ça? Oui, quel est ce terrain, alors, en fait? Alors, en fait, moi, je suis marseillaise, c'est pour ça que j'ai choisi Marseille. Mmh. Et il y a eu une nouvelle mairie qui est... En fait, une mairie qui est d'origine un petit peu citoyenne, de divers gauches, mais avec beaucoup de participation citoyenne. Et je me suis rapprochée de l'adjoint. En fait, j'aimerais faire confronter les initiatives institutionnelles. Du coup, je me suis rapprochée de l'adjoint au maire attaché à la démocratie participative et locale et de la relation avec les CIQ et les collectifs de quartier. Et aussi le maire adjoint du 1-7, qui est aussi attaché à la démocratie participative. Et c'est encore un peu en processus, mais j'aimerais les suivre sur le terrain un jour et demi par semaine pour voir un petit peu, sur un projet de long terme, de quelques mois. Et en même temps aussi, je me suis aussi rapprochée d'un collectif, le collectif 5 novembre, et aussi un collectif qui s'appelle le TALU, qui prône aussi la démocratie participative. Et j'aimerais établir des grilles d'observation et faire des entretiens semi-directifs. Pour voir ce qu'il en ressort en fait et quelles sont les pratiques et est-ce que finalement on peut les rejoindre à une conception rousseauiste. Alors ça, je sais que c'est très très compliqué et que Rousseau dans le contrat social donne beaucoup de préceptes aussi sur comment est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre la démocratie en place, à quel point est-ce que c'est compliqué et n'établit pas, enfin si il faudrait, je suis en cours de lecture des traités sur la Pologne et la Corse qui sont peut-être un peu précis. Et en fait, j'aimerais confronter du coup la théorie rousseauiste et la pratique de la démocratie participative avec au milieu la théorie de la démocratie participative qui rejoint aussi Habermas. Mmh, 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 mmh. Et du coup, là, il y a pour les références bibliographiques, là pour l'instant, ce que je suis en train de lire, ce que j'ai lu et ce que je dois lire, c'est je vais relire le contrat social de Rousseau. Aussi le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il y a aussi un livre sur la démocratie de Bruno Bernardi. Pardon. Et elle m'a aussi donné à lire, ma directrice, le livre de Starobinsky sur la transparence de l'obstacle et un livre de Céline Spector sur le prisme de Rousseau. Donc voilà, là c'est mon travail pour les prochaines semaines.
Ok, bien. Voilà. Bien. Alors, je sais, je suis désolée, il n'y a pas encore vraiment de contenu, hein, mais c'est vraiment sur quelques semaines. Progress, on est là pour penser ensemble et imaginer tout ça. Je me demande si... moi, je me demande si il y aurait des auteurs qui ont développé la notion de démocratie participative plus récent, donc qui pourrait vous aider à formuler ou à spécifier un peu la vision rousseauiste, mais la mettre dans un peut-être dans un contexte un peu plus contemporain de sur la pensée de la démocratie participative, parce que il me semble que c'est toujours utile, même, je veux dire, tu travailles sur les idées, par exemple, de Rousseau, ce serait toujours utile d'encadrer votre intervention dans le discours contemporain sur Rousseau. Bon, Céline Spector, donc c'est très contemporain, donc c'est une interprétation. Donc voilà, j'imagine que dans le texte de Céline Spector, il y aura déjà un peu du re-encadrement. Mais je crois que c'est là que ce serait un peu utile de prendre un contexte légèrement contemporain sur la pensée de Rousseau. Tu vois ce que je veux dire? Donc parce que, bon, alors, tout à fait nécessaire de retourner au texte, bien sûr, contrat social, inégalité, mais disons que aujourd'hui, quand on fait ce travail, il y a toute une histoire des interprétations qui est quelque chose qui vaut la peine de comprendre, de comprendre la différente manière dont Rousseau a lui-même été lu, afin d'intervenir non pas simplement avec une interprétation de Rousseau, mais d'intervenir dans un champ discursif qui est celui de ce qu'on a fait avec ou comment on a interprété Foucault, Rousseau, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me semblerait utile. D'autre part, bon, ce qui bien sûr a besoin de plus de précision, c'est cette notion de participatif. Bon, donc c'est quelque chose que vous allez voir sur le terrain, à Marseille. Mais donc, quelles sont les dimensions d'une démocratie participative que vous allez retrouver ou que Parce qu'en plus, ce concept, cette théorie, en fait, elle est très large et il y a pas des confusions, mais enfin, déjà entre démocratie locale et démocratie participative, j'ai pas encore fait ce travail-là de clarifier ce que je veux montrer, enfin, ce qui le champ théorique en fait de la démocratie participative et ce que je souhaite m'approprier ou pas, enfin m'approprier. Pas une appropriation, mais délimitation du moins de ce qu'on entend par démocratie participative. C'est hyper vaste et je n'ai pas encore fait ce travail-là. Ouais. Et puis, donc, ce sera intéressant pour vous de... Alors, d'un côté, du côté de la philosophie politique, il me semble que ce sera important de faire une carte géographique des interprétations de Rousseau. En d'autres mots, c'est ça que
Bon, alors, bien sûr, il faut retourner au texte et puis relire le texte original, etc. Mais il y a tout de même une carte. On pourrait imaginer un discours sur les manières d'interpréter ce qu'il était en train d'écrire. Du côté de la démocratie participative, aussi, j'imagine qu'il y a une carte qu'on pourrait faire pour décrire les différentes institutions, pratiques et discours sur la démocratie participative. Je pense, par exemple, j'ai une étudiante qui a fini sa thèse, mais qui proposait un système de conseils. De conseils locaux pour avoir une participation. Donc, ce serait sur le modèle des jurés, en fait, mais plutôt sur le côté politique. On peut imaginer beaucoup de différents moyens de faire de la participation, d'avoir de la participation. Que ce soit des modèles beaucoup plus anciens du démos ou de la participation grecque dans la démocratie, enfin limité bien sûr aux hommes, etc. Mais c'était des modèles. Ou bien l'utilisation de conseils de citoyens. Jim Fishkin, il essayait de créer des. Là, c'était un peu plus du délibératif ou des interventions dans la démocratie délibérative, dans le sillon plus de Habermas que de Rousseau, mais Fishkin, il faisait des expériments où il rassemblait des citoyens pour se parler, pour leur donner de l'information, pour qu'ils décident et des choses comme ça. Donc, il faudrait une petite carte aussi géographique de ce que sont les interventions, les pratiques, les institutions qui pourraient être participatives. Et là, je me demande. Et comment distinguer la participation du populisme aussi, et des différentes interventions pour un plus grand rôle du peuple. Bon, alors les autres, qu'est-ce que vous pensez, et qu'est-ce que vous proposez? Des pistes, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... Moi, j'ai une question, éventuellement. Il y a quelque chose que j'ai du mal à bien saisir, c'est le lien entre théorie et pratique dans ton projet. On peut avoir l'impression que la piste que tu saisis, ce serait l'idée qu'il y aurait quelque chose dans les pratiques de la démocratie participative exercée, en tout cas, de rousseauiste. Et est-ce que dans la pratique, il n'y aurait pas déjà quelque chose de l'ordre d'une sorte de philosophie interne dans la pratique? Et comment tu peux faire le lien entre des idées déjà constituées et des formes nouvelles de pratique, par exemple, ou d'expérimentation. C'est presque une question un peu épistémologique, c'est-à-dire comment tu vois le lien entre les deux, quoi. Entre cette pratique participative Voilà. et une application d'une théorie Parce possible. que je suppose que ce n'est pas quelque chose d'idéaliste, comme quoi, en fait, Rousseau aurait été précurseur d'une manière spécifique de faire de la démocratie, et que en fait ce serait que l'action de cette idée-là, je suppose que c'est pas ça. Ben, j'ai pas encore réussi à réellement créer ce lien-là, en fait. Je sais que je l'imagine, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que des théories émergent de pratiques et que de pratiques émergent de théories. Et en fait, que le point névralgique ici, ce serait la théorie de la participation, de la démocratie participative qui s'inspire du coup de Rousseau.
et en même temps cette théorie, j'ai l'impression que c'est un petit peu une bible à travers laquelle on peut avoir une multiple interprétation de la démocratie participative et qui est appliquée sur différentes pratiques, initiatives. Et en fait, pour moi, enfin, je ne sais pas si c'est enfin juste si c'est possible le lien que j'en fais, mais c'est cette théorie de la démocratie participative, pour moi, elle est multiple et elle est beaucoup plus mise en pratique qu'une théorie rousseauiste. Enfin, on voit directement son effet pratique. Et alors, je ne sais pas du tout si je réponds à ta question, mais j'aimerais bien établir, du coup, enfin, en fait, ta question est une question que je me pose, en fait. Comment est-ce que je vais faire ce lien-là? Mais je ne sais pas encore comment est-ce que je pourrais y répondre. Ouais. Non, vas-y, Hugo. Non, juste pour rebondir à ce que tu as dit, donc tu dis qu'il y a une forme de double action, quadrétroaction entre théorie pratique, pratique et théorie. Est-ce que ce ne serait pas intéressant, du coup, pour ton mémoire, alors juste hypothétiquement, ouais. Du coup, ça irait un peu à contre-pied de ce qu'a dit M. Harcourt sur le fait de voir le cadre contemporain de Rousseau, de voir aussi de lui de quel type de pratique il discute à son époque. Est-ce qu'il y a un rapport, par exemple, avec je sais pas, ce qui se passait dans les cantons suisses ouais. Est-ce qu'il s'inspire lui-même de quelque chose ou c'est juste une abstraction, une Robinsonnade? C'est un truc que je vais le noter bien parce que ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais c'est une bonne question en fait. C'est très important ce lien théorie-pratique parce que on pourrait imaginer des relations multiples. Hein. On pourrait imaginer dans le discours contemporain sur la démocratie participative qu'un texte, un manifeste, un website, une des expressions écrites de ces pratiques utilise par exemple en exergue un passage de Rousseau, quoi, hein, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne sais pas du tout, mais on pourrait imaginer les différentes manières qu'il y a de l'influence. On le voit très bien dans d'autres contextes. Un appel, je ne sais pas, à la résistance qui utilise un passage de Orwell ou quelque chose comme ça. Et qui donc s'inspire. Et ça, ce serait la manière dont du texte théorique de la philosophie devient un mime, right? Et on en voit plein. Et vice-versa, comme Hugo proposait, je veux dire, il se peut que Rousseau était en train de prendre une pratique qu'il avait vue, dont il avait lu, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce rapport. En fait, en grande partie, une des questions méthodologiques de ton travail, c'est précisément de comprendre toi-même vraiment quel est le rapport entre idées et pratiques. Right? Ouais. Et à quoi ça sert, d'une certaine manière, de se poser cette question. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver à travers cette analyse, d'essayer de retrouver les résonances, les échos de quelqu'un comme Rousseau dans les pratiques contemporaines. Ouais. Ça, c'est fondamental vraiment à ton projet et au travail que tu vas faire, qui est fascinant, hein, c'est un travail fascinant. Moi, en M2, en M1, j'avais essayé de trouver les résonances de Rousseau dans Robespierre, qui sont claires, parce que, bien sûr, c'est explicite, quoi. Mmh.
Ce serait, ouais, ce serait... Ouais, c'est du beau travail. Quelqu'un d'autre? Oui, si je peux. Oui, j'ai une remarque en réalité qui est plutôt de l'autre côté théorique. Je pensais à ce propos aux travaux de Richard Tuck, The Sleeping Sovereign, où il trace un peu une généalogie de la distinction entre souveraineté et gouvernement. Et à la lumière de cette histoire des généalogies, par exemple, il arrive à soutenir que la théorie démocratique de Rousseau n'est pas du tout participative dans le sens de démocratie directe. C'est-à-dire, il dit, en faisant une analyse textuelle de Rousseau plus ou moins convaincante, que selon lui, Rousseau était contre la représentation du peuple en tant que souverain, mais non pas contre la représentation du peuple du tout. C'est-à-dire, selon Rousseau, ce n'était pas le peuple qui devait gouverner, par contre. Le peuple était souverain, mais le peuple ne devait pas gouverner. Donc, à cet égard, j'imagine que là, ça devient vraiment important ce qu'on entend par démocratie participative. C'est-à-dire, si on entend démocratie directe et que le peuple doit gouverner, pour Tocque, par exemple, Rousseau n'est pas du tout en souteneur de la démocratie directe ou participative dans ce contexte-là. Et bon, je le cite parce que pour moi, c'était vraiment... Tu pourrais citer quel texte c'est, il y a... Oui, c'était The Sleeping Sovereign, Richard Tuck. C'est un historien de la pensée politique de Cambridge. Oui, c'était mon directeur de thèse. Ah, ok. Et voici, donc pour moi c'était intéressant parce que en fait qu'on va voir vendredi. Ok, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, ça va, c'était toujours puisque balayer exactement cette idée générale de Rousseau comme souteneur de la démocratie participative, du moins dans cette dans la définition de le peuple doit gouverner. Et donc c'est pour ça que je le trouvais intéressant. Bien. Ouais. Et non, mais ça rentre entièrement dans ce besoin un peu de non seulement parler de Rousseau et des textes de Rousseau, mais aussi de faire une cartographie un peu des différentes manières dont il a été lu, quoi. Voilà. Très important toujours pour un travail théorique. Bien, d'autres? Sur ce dernier point sur Rousseau et Chartoc, je ne sais pas si c'est à ça que Chartoc fait référence, mais je sais avoir vu, j'ai plus la référence en tête, mais chez Rousseau, effectivement, il y a une ambiguïté sur la question de la figure du législateur, et qui est en fait une figure un peu mystérieuse et qui autorise notamment dans certaines théories l'idée que Rousseau aurait été défenseur d'une forme de contrôle de constitutionnalité, qui rejoint aussi l'idée que en fait, le peuple n'est pas quelque chose qui est saisi, que c'est quelque chose qu'il faut construire par une forme de construction intellectuelle, et que donc même des formes de représentation, enfin de démocratie dite directe, en fait, demandent, et c'est, je pense que c'est un enjeu extrêmement important sur les questions de démocratie participative, demandent qu'on construise un cadre dans lequel puisse s'exprimer une expression populaire, et dans les, il me semble, pour les questions plus pratiques qui pourraient être intéressantes à explorer en mémoire, il y a toutes les limites avec... c'est une grosse limite de la démocratie participative qui va être, très concrètement, par exemple, des gens qui vont dire on va mettre en place une truc de démocratie participative et donc on va faire des réunions ouvertes, mais ensuite elles vont être ouvertes à des horaires où presque personne ne peut y aller, ou seulement du coup certaines personnes qui ont j'avais des exemples très concrets qui m'avaient été donnés, le truc, la fête de la musique, ils organisent une réunion ouverte et en fait il n'y a que les retraités qui viennent et qui interdisent la fête de la musique dans un arrondissement par ce genre. Et il y a vraiment, il me semble, comme il y a avec l'histoire du discours sur la démocratie participative, il y a eu tout un truc avec des gens, des boîtes dont qui étaient vraiment spécialisés là-dedans, dans le fait de produire des analyses de démocratie participative, mais qui étaient en fait des scams, quoi. Enfin, des trucs comme ça, la boîte peut dire oui, regardez, on a fait une consultation, et en fait, il y a des gens dont le boulot c'était d'organiser
des réunions en s'assurant que les emmerdeurs, pour reprendre leur truc, ne pourraient pas venir, ne pourraient pas intervenir. Donc je pense que il y a des choses. Ok, bien, merci. Ouais, merci beaucoup. Et c'était un peu sur Rosan Vallon que tu rebondissais, c'est ça? Oui, ça m'a fait penser à ça, oui. Il offre un cadre théorique pour penser tout ça, mais après lui, il est peut-être un peu plus abstrait. Ça fait longtemps qu'en fait, j'ai... Bien, merci Téléman. Bien, alors, Bertie, bon, oui. Très beau projet. Très bon projet. J'espère que nos commentaires ont été utiles. Oui, merci beaucoup. Bien. Bonne continuation avec ce projet. Alors. Bien. Alors, écoutez, on prend une pause de 4 minutes. On va ensuite aller à Dandara. On commence à l'heure, OK? Maintenant, c'est 3 minutes, OK? On revient dans 3 minutes et on continue avec Dandara, OK? Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue de retour. Merci tous. Bonjour Dandara. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Oui. Bien. Bon, allez, on reprend. Et vous allez nous parler de la critique de la citoyenneté blanche. Merci infiniment. Allez-y. C'est à vous. Oui, donc bonjour. Je m'appelle Dandara. Je suis en M2 en études politiques. Et ce projet-là que je vais vous présenter aujourd'hui, il est assez différent de celui sur lequel je travaillais. Donc, j'ai mis le titre... vers une critique de la citoyenneté blanche, le pensée noire au Brésil, la théorie politique comparée. Donc, juste pour dire comme ça, pour que ce soit clair dès le début, mes recherches portent sur les liens potentiels entre les enjeux raciaux dans la société brésilienne et le processus de démocratisation au pays, en particulier dans les années 80 au XXe siècle. Donc, comme j'avais dit, ces différents projets que je faisais avant, juste quelques mois, bien évidemment, les questions principales sous-jacentes restent les mêmes, mais le framing est différent. Mais dès mes brouillons des projets de mémoire, j'étais intéressée par la participation du mouvement noir dans les processus plus récents de redémocratisation qui a eu lieu pendant les années 80, après la dictature qui a duré 20 ans, donc entre 64 et 84. Et je m'intéressais pour le mouvement noir en raison de la récente recrudescence de l'autoritarisme au Brésil, notamment après le coup d'État subi par l'ex-présidente Dilma Rousseff et la rentrée en pouvoir de Jair Bolsonaro. Et donc, ce processus qui, à mes yeux, était un processus de signalant de consolidation démocratique, je me demandais s'il y en aurait et quels seraient ses rapports avec des relations raciaux au pays. Dans d'autres mots, quelle place pour la race dans ce processus. Donc, au début, visant à comprendre des consolidations démocratiques, je me suis tournée vers le moment pendant lequel, supposément, la démocratie serait consolidée, donc l'Assemblée constituante en soi, qui a duré entre 85 et 88. Et je me suis beaucoup basée sur l'ouvrage de Natalia Neris, qui s'intitule La voix et la parole du mouvement noir pendant l'Assemblée constituante, mais qui est notamment un travail plutôt empirique de reconstruction documentale. Donc, pendant mon M1, je suis allée aux archives dans le Musée de la République à Rio, où se retrouvent les documents de l'Assemblée constituante. Et là-bas, j'ai retrouvé des registres photographiques des réunions noires régionales, de lettres écrites par des citoyens et citoyennes de différentes régions du Brésil auprès des députés constituants leurs demandes. Et pour participer du processus constituant, j'ai aussi retrouvé des documents de la campagne nationale de conscientisation faite par le mouvement noir, plutôt dans le sens de l'argument que j'ai saisi de ces lettres, de cette campagne de conscientisation, c'était plutôt de dire que les lois brésiliennes, en fait, elles accordait juste des droits citoyens aux citoyens blancs et s'exfaisait de ces citoyens blancs de privilégiés vis-à-vis d'autres citoyens non blancs du Brésil.
Donc, c'était une campagne de conscientisation dans ce sens et qui parlait de l'importance d'inscrire dans la nouvelle constitution des lois qui garantissaient spécifiquement leurs droits en tant que Noirs. Et finalement, pendant cette recherche historique, je me suis confrontée avec deux prises de parole féminines qui m'ont beaucoup intéressée et qui ont considérablement façonné la direction prise de mon projet de recherche. Et c'était la première prise de parole, c'était celle faite par Benedita da Silva, qui était la seule figure féminine parmi les quatre députés constituants noirs et qui est une figure historique de l'activisme noir, qui est politicienne, qui s'est candidatée très récemment pour l'élection en tant que pour la préfecture à Rio et qui a été députée fédérale, gouverneure, sénatrice, tout ça de Rio à travers le Parti des travailleurs. Et pendant une des audiences de formulation de la Constitution brésilienne, elle a revendiqué nous voulons proclamer notre abolition. Il ne s'agit ni de haine ni de rancœur. Il s'agit tout simplement d'un cri pour la liberté. Et ici, il faudrait souligner que cette prise de parole se tient à la veille du centenaire de l'abolition de l'esclavage au Brésil. L'abolition a été signée en 1888. Et donc ça, c'était à la veille des 88 du 20e siècle, quand la Constitution a été promulguée. Et pour cette raison, cette prise de parole, elle est très représentative du discours généralisé du mouvement noir à cette époque. C'était justement ce discours de réaffirmer une abolition qui n'avait pas été achevée à l'époque de l'abolition en soi. Et la deuxième prise de parole, c'était celle de Lélia Gonzalez, qui est une anthropologue et qui est membre fondateur du mouvement noir unifié au Brésil et pionnière dans la discussion sur le féminisme noir au Brésil. Donc, dans la septième séance de la sous-commission des Noirs populations indigènes, c'était la sous-commission destinée au débat racial et des personnes handicapées et minorités. C'était un peu tout amalgamé, mais c'était la commission où ça s'est passé pendant l'Assemblée constituante. Lélia Gonzalez a déclaré « Que veut dire vivre brésiliennement et que veut dire vivre noirement ? Qu'est-ce qu'on n'aime pas chez les soi-disant noirs du Brésil ? Que signifie objectivement la manière brésilienne d'être ? Si elle n'est pas noire, je serais très déçue. » Donc, moi, je connaissais déjà les travaux, les textes de Lélia sur la spécificité de l'oppression raciale et genrée vécue par les femmes noires au Brésil. Et j'étais aussi au courant de sa force en tant qu'activiste. Mais d'ailleurs, Lélia Gonzalez est devenue généralement connue en tant qu'activiste noire. Mais je trouvais que cette catégorisation était quelque peu réductionniste. Donc, cette prise de parole, qui ne s'est pas résumée à ces morceaux, elle était beaucoup plus longue, elle m'a présenté Lélia en tant qu'une théoricienne critique de la citoyenneté blanche. Et c'est donc dans le sens de la présentation des figures proéminentes de la pensée noire au Brésil, en tant que critique de la citoyenneté blanche que j'ai commencé à façonner ma recherche. Donc, actuellement, je me concentre sur les travaux des trois intellectuels dont les contributions ont été souvent reconnues comme militantes, mais qui jusqu'à aujourd'hui ont rarement été lues comme des théories critiques. Ces auteurs sont Lélia Gonzalez, que j'ai mentionné, Clóvis Moura et Abdiejo Nascimento. Que j'ai proposé de lire comme théoricien critique de la race, de la citoyenneté blanche au Brésil. Et de mon point de vue, leurs perspectives intellectuelles sont très hétérogènes. Clóvis Moura, il est plutôt connu comme un sociologue, activiste aussi, mais plutôt marxiste. Il était formé par le Parti communiste au Brésil et sa pensée, elle est très vinculée au marxisme. Abdiejo Nascimento, très connu par sa force panafricaniste, il est un intellectuel très complet parce que en fait il commence son début de son activisme faisant partie de l'Alliance intégraliste nationale qui était un mouvement fasciste en fait et à l'époque de la dictature de Getúlio Vargas et il finit sa carrière il finit sa vie il a vécu beaucoup des années en tant que sénateur mais aussi en passant par le panafricanisme il était exilé en Afrique pendant la dictature militaire donc et Lélia Gonzalez, qui est féministe noire, mais avec des influences de Marx, on voit aussi un peu des influences d'Arthur sur son travail. Donc, avec cette
Donc là, je pense que j'ai trois intellectuels dans des schémas complètement différents, mais qui revendiquent tous les trois deux choses que je vois en commun, que c'est justement la critique de la limitation racisée de l'appartenance citoyenne au Brésil et la critique de l'idéologie de la démocratie raciale. Donc, de manière différente, ils font cela. Juste pour parler vite fait, la démocratie raciale est une idéologie de métissage qui est devenue centrale au Brésil depuis le début du XXe siècle et qui masque des rapports de domination qui constituent une barrière à la démocratisation du pays. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans leur discours qui a passé pendant tout le XXe siècle, qui aujourd'hui est pris de manière plus... aujourd'hui, cette idée de la démocratie raciale en tant qu'un mythe, en tant qu'une idéologie, elle est beaucoup plus répandue, mais à l'époque où il faisait cette critique, dans les années 80, justement, ce n'était pas le cas. Donc voilà, donc ça, c'est les deux points en commun que je vois entre eux, la critique de la citoyenneté racisée et la critique de la démocratie raciale. Et voilà, donc ils font ça de manière très forte pendant les années 80, justement à l'époque du centenaire de l'abolition de l'esclavage. Et donc, pour mentionner aussi clairement, le paradoxe de départ qui motive mes recherches est celui dans quel sens l'idéologie de la démocratie raciale représente-t-elle, selon González, Moura et Nascimento, un obstacle à la démocratisation de la citoyenneté. Et d'un point de vue méthodologique, juste pour parler très vite, ce travail se situe au croisement de l'histoire intellectuelle et de la théorie critique de la race et les débats actuels, notamment dans le monde anglophone, de la comparative political theory. Et donc, juste pour parler très vite, si j'ai encore du temps, de la comparative political theory. Désolé. Je vais juste donner un plan, juste très vite, pour que vous envisagiez mieux le travail. Le premier chapitre introductoire, c'est justement dédié à la discussion de la méthodologie de la théorie politique comparée, à la présentation de ces trois penseurs noirs comme des théoriciens politiques et à une réflexion sur les contributions de ces auteurs au débat plus large de la théorie politique comparée dans le domaine de la théorie critique de la race et de la pensée afro-latino-américaine. Le deuxième chapitre serait consacré, le deuxième et le troisième chapitre seraient respectivement consacrés aux critiques de la citoyenneté racialisée et de la démocratie raciale chez chacun de ces auteurs. Donc, ces deux chapitres seraient divisés dans des sous-parties afin d'être analysés en fonction du travail de chaque auteur individuellement et comparativement. Donc, par exemple, pour être clair, c'est mon objectif de discuter les perspectives de González, Moura et Nascimento sur la citoyenneté racialisée. Et en dernier chapitre serait, je ne l'ai pas complètement encore bien élaboré, mais justement, c'est l'idée d'aborder le centenaire de l'abolition au vu de dans la perspective de ces intellectuels. Donc, je vois la résonance entre la revendication d'une vraie abolition, une abolition effective par ces intellectuels noirs au Brésil, avec les discussions que nous avons eu l'occasion d'avoir dans ce séminaire. Et là, dans ce moment, j'ai réfléchi un peu sur les liens potentiels de ces connexions théoriques, notamment entre ces intellectuels qui font ce travail au Brésil et Du Bois et Davis aux États-Unis. Et un petit mot sur la comparative political theory, c'est une méthodologie qui n'est pas encore très répandue en France, qui est commencé à se développer dans les années 90, en quelque sorte en réponse à une déconnexion entre l'académie eurocentrique et les défis politiques une question qui excédait, pour ainsi dire, l'Occident. Là, je dis ça, je me base un peu sur le Oxford Handbook of Comparative Political Theory, mais je pense aussi à un texte qui s'appelle Beyond Monologue for Comparative Political Theory, et aussi à un texte de Mourad Idriss, Political Theory and the Politics of Comparison. Et donc, l'idée de la Comparative Political Theory, c'est justement de mettre en intersection la théorie politique international studies, comparative politics, area studies, avec le but d'analyser les revendications normatives, les structures et institutions discursives, ainsi que les expressions et les formations du pouvoir dans et toutes les parties du monde. Cela comprendrait l'examen des corps de pensée et d'expériences politiques nés au sein de communautés et de traditions émergentes et historiquement éloignées, autant que celles établies anciennes et contemporaines.
L'emphase mise sur la dimension globale et comparative de l'activité politique permet donc aux théoriciens politiques de comparative political theorists d'attirer l'attention sur les catégories paroissiales euro-américaines qui ont historiquement façonné l'enquête en théorie politique et dans d'autres disciplines, ouvrant ces catégories à l'interrogation et à l'expansion à la lumière d'autres corps de pensée et d'expérience. Et là, de mon point de vue, la chose principale que je peux utiliser, non, mais qui bénéficie avec, dont je peux me bénéficier en utilisant cette méthode, c'est surtout que le but, ce n'est pas de rester ancré juste dans les domaines de théorie science qui se revendiquent des théoriciens comme des comparative political theorists. Mais aussi, cette approche méthodologique, elle me permet de regarder des interventions qui ne sont pas dans ces domaines en tant qu'interventions qui font partie en fait d'une histoire de théorie politique. Donc voilà. Donc au-delà de leurs travaux académiques, de Lélia Clovis, Lélia González, Clovis Moura et Abdij Nascimento, il y a aussi leurs manifestations, comme par exemple celle que j'ai mentionnée de Lélia González à l'heure de l'Assemblée constituante. Donc c'était une manifestation qui n'était pas, qui on dirait activiste, mais qui en fait très clairement à une base de théorie de s'extérer la citoyenneté au Brésil. Donc voilà, Bien, bien, formidable, Dandara. Alors, fascinant, et je pense que une des choses que ton projet soulève vraiment, c'est un peu l'artificialité de cette notion de comparative political theory. Et aussi je ne suis pas sûr si tu veux faire une critique de l'idée du comparative dans la discipline des sciences politiques. Et donc, je ne sais pas si ce que je vais te dire est utile. Peut-être que tu ne veux pas faire ça, hein, en fait. Mais il me semble que, et ça m'a toujours été apparent, que dans le contexte des sciences politiques américaines, par exemple, la notion de comparative politics a toujours été développée comme étant les études politiques qui n'ont pas à faire avec les États-Unis, vraiment. Et que ce n'était pas un domaine différent, c'était simplement qu'il y avait tellement d'études qui étaient simplement focalisées sur les États-Unis, qu'il y avait tout un domaine qui s'appelle American Politics. Donc, vous savez, dans un département traditionnel de sciences politiques aux États-Unis, il y a quatre sous-départements. Un, c'est American Politics, l'autre, c'est Comparative Politics. Ensuite, il y a International Relations et il y a Political Theory. Je veux dire, ça, c'est d'habitude comment les départements sont structurés aujourd'hui. Et bien sûr, American Politics, c'est tout ce qui a à faire avec les États-Unis, le président, le Congrès, etc. Comparative Politics, c'est en fait l'étude d'autres pays. Voilà. Et donc, la notion de comparaison ou de comparatif n'a pas de méthodologie en soi. C'est simplement vraiment des exclusions ou des exclusions d'un eurocentrisme, un américocentrisme aux États-Unis. Alors, ce qui m'intéresse avec ton projet, c'est que en fait, c'est pas de la théorie politique comparée, c'est de la théorie politique. Voilà, je veux dire, c'est de la philosophie politique. Mais tes auteurs sont des auteurs. Donc, enfin, tes théoriciens sont trois théoriciens brésiliens qu'on ne connaît pas bien en dehors du Brésil. Right? Et donc, ça ne pose que des questions comparatives ou méthodologiques
quand on sort un peu du contexte brésilien, parce que j'imagine que dans le contexte brésilien, ce serait tout à fait un discours de la théorie politique bien ancrée, bien comprise, etc. Donc, en fait, il y a une question d'audience qui est importante ici pour toi, j'imagine. Bien sûr, il y a une question d'audience qui a tout à fait à faire avec les questions méthodologiques de comment présenter ça, comment discuter ça, comment parler. Et donc, dans ton texte, tu vas probablement beaucoup parler de du comparatif et de ces questions de comparatif. Bien que, en fait, tu pourrais éviter ça si ton lecteur était plus ancré, plus bien situé dans un discours brésilien, right? Et donc la question, je pense, la question, une des questions les plus importantes pour toi, en fait, c'est qui est ton lecteur? Et qu'est-ce que tu veux? On se tutoie, hein, tout le monde, hein, parce que sinon ça devient trop compliqué. Qu'est-ce que tu veux faire penser au lecteur? Y a un moment à la fin où tu discutais les rapports avec, par exemple, Du Bois, Angela Davis. Est-ce qu'en fait, je pense que tu dois toi-même être un peu en conflit sur cette question de est-ce qu'on a besoin de sortir de ton vrai discours, de tes propos pour mettre en liaison avec Du Bois ou Angela Davis, ou pour mettre en liaison avec un autre discours d'autres penseurs qui, pour le lecteur américain ou pour un lecteur peut-être français, seraient des points d'ancrage qu'ils connaissent mieux, right? Donc voilà, ça c'est quelques questions, et ça a à faire un peu avec la manière dont cette intervention sera reçue dans des contextes différents. Il se peut que tu pourrais écrire un texte qui n'aurait pas besoin de parler d'une méthode comparative, ou qui n'aurait pas besoin d'intersecter avec des auteurs comme Du Bois ou Angela Davis ou d'autres. J'imagine qu'il y a beaucoup de moyens d'intersecter ton propos avec des sources qui seraient bien connues aux États-Unis, par exemple. You know, whiteness as property, tout le discours sur ce qu'est whiteness. and of course, all of critical race theory in the United States that emerged in the 1990s. Ce serait possible d'être en conversation avec ça, mais d'autre part, ce serait possible de mettre ça complètement de côté, puisque tu es dans un discours qui pourrait être entièrement brésilien. Comment est-ce que tu ressens cette problématique? Merci beaucoup pour les réflexions. C'est exactement là où je suis. dans cette réflexion sur est-ce que je devrais écrire quelque chose plutôt
je ne sais même pas comment exprimer ça, mais écrire, je ne sais pas comment exprimer, comme si j'étais en train d'écrire. La question, c'est justement à qui je suis en train d'écrire, parce que je trouve que enfin, ce sont des intellectuels qui sont très connus au Brésil quand même, vraiment très connus. Dans le milieu activiste, dans le milieu des mouvements noirs et tout, je pense que tout le monde leur connaît. Mmh. Mais pourtant, on n'entend pas forcément parler, même dans les discours hégémoniques, pour ainsi dire, au Brésil, sur les théories sur le Brésil. En fait, ils adressent justement la question d'être toujours parlé par quelqu'un d'autre. Ouais. C'est un propos central dans le travail de Lélia González, par exemple, quand elle écrit, elle a un texte qui s'appelle Racisme et sexisme dans la culture brésilienne, et c'est un texte où elle parle justement du fait que de la représentation des femmes noires au Brésil, et elle divise les femmes noires, elle fait une typologie de 3 catégories, et elle montre comment les femmes noires sont toujours parlées par quelqu'un d'autre, objectifiées. Et ça, c'est quelque chose de répandu dans travaux d'autres sociologues aussi qui font la différence entre le noir thème et le noir vie. Le noir qui est parlé, objectifié et qui reste installé hors les temps, et le noir qui vit et qui c'est le mouvement qui fait que, c'est le vécu noir, pour ainsi dire, ouais, qui n'est pas justement objectifié. Ouais, ouais. Donc... ouais. Dans le contexte américain, par exemple, une chose qui était typique pendant l'expérience de l'abolition, c'était de publier des récits de personnes qui étaient esclaves, ok, Mary Prince et tous les Clotel, etc. Mais il fallait avoir une préface d'une personne respectée blanche, d'une personne blanche, pour donner la légitimité à l'expression. Et en fait, c'était toujours cette idée que il fallait y avoir une enveloppe blanche. There had to be a white envelope. Pour que le matériel et c'est un peu cette question là à laquelle tu es présenté, dans le sens de est-ce qu'on a besoin d'utiliser les voix même de c'est pas seulement race, mais c'est aussi capital culturel ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser la voix de Du Bois pour légitimiser la voix de tes 3 auteurs qui sont bien connus, qui n'ont pas besoin de Du Bois pour être entendus. Voilà, right? Mm-hmm. Yeah. Et du reste, il y a Xeno qui te demande après, quand tu as fini de mettre le nom de tes théoriciens dans le chat. Mais avant qu'on n'ait plus de temps, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Je ne voulais pas monopoliser la parole. Ok, bien. Donc, je n'ai pas de solution. J'ai seulement... je sens d'une certaine manière que je suis en train de mettre un peu... mon doigt dans un endroit qui n'est pas confortable, vraiment, parce que c'est vraiment dur. C'est pas de la philosophie politique comparée que tu es en train de faire. Tu es en train de faire de la philosophie politique, voilà, hein, et on appelle seulement ça comparé parce qu'on est les colonisateurs. Voilà. Hein? Donc voilà, comment. Mais d'autre part, tu es dans un contexte de professionnel académique où il y a tout un discours auquel il faut d'une certaine manière se plier des fois,
ou bien critiquer. Mais voilà, ok. Bien. Oui, fascinant. Merci beaucoup. Je prends les critiques. Tu vas, ouais, tu vas répondre à Xeno, ok? Ok. Merci. Bien, merci, Dana. Bon, je crois que Giuseppe, est-ce que c'est toi le prochain? Oui, oui, c'est moi. Ok, alors vas-y. Ok, alors moi aussi j'ai travaillé en anglais, mais je fais ma présentation en français. Très bien. Donc, alors je vais un peu parler de l'idée d'une critique féministe, mais qui est également un peu biopolitique, psychoanalytique d'un côté, de l'idée de souveraineté populaire. Et l'idée pour cette recherche vient du constat qu'en fait, il y a une grande littérature féministe de critique de l'idée de souveraineté au niveau de l'État, notamment Wendy Brown avec, par exemple, l'idée d'éliminer les murs, les frontières, les barrières. Il y a également une grande littérature féministe pour critiquer la souveraineté de l'individu, du sujet politique libéral. Mais là, je trouve qu'il y a encore une résistance à penser une critique de la souveraineté du peuple. Peut-être puisque c'est une idée qui est beaucoup rattachée à l'idée de démocratie, à l'imaginaire de démocratie dès le début. Et donc, même si on lit Butler dans ses essais sur la vulnérabilité et la résistance, elle critique la souveraineté de l'individu, mais elle dit que la souveraineté populaire est l'expression de la résistance qu'encore l'on doit envisager. Et pour faire pour penser à cette idée de critique, donc j'ai imaginé de chercher là où les pathologies de la souveraineté populaire sont plus évidentes, c'est-à-dire dans le populisme. Et c'est à cet égard que j'ai considéré les travaux de Nadia Orbinati, qui fait une analyse à propos du populisme et du mode du populisme, de la relation entre populisme et démocratie. Avant tout, je me suis donc demandé qu'est-ce qu'il y aurait dans l'idée de souveraineté qui est si fascinante, fascinatrice pour le populisme, pour le peuple de populisme, bien évidemment à côté du fait que la souveraineté a été donnée au peuple à un certain moment avec la Révolution française. Et là, donc, j'ai cherché à lire un peu d'un côté Schmitt et de l'autre côté Foucault, et à retrouver comment l'idée de souveraineté en soi, donc je ne parle pas pour l'instant de souveraineté du peuple, est en opposition avec ce que j'appelle, en suivant Schmitt et Foucault, les rationalités libérales et néolibérales. Donc Schmitt élabore sa théorie du politique. À un certain moment, on peut visualiser dans le Conseil du politique qu'il met d'un côté le libéralisme, la raison, le progrès, et de l'autre côté, l'État, la souveraineté, le politique. Schmitt dit le libéralisme n'est pas une théorie politique. Le politique est fait de souveraineté. Et donc, il construit cette idée de la souveraineté comme opposée à la neutralisation, à la rationalisation, à la dépolitisation de la modernité. Il y a l'essai de Schmitt sur l'âge des dépolitisations et de la neutralisation. Et Foucault fait un peu la même chose avec la rationalité néolibérale. Alors, si on lit un peu tout le travail foucauldien dans la trajectoire des cours au Collège de France, on trouve, et c'est en fait sur cela que beaucoup de lecteurs de Foucault se sont penchés, en passage, une transition du pouvoir souverain au pouvoir disciplinaire, au biopouvoir, comme forme de gouvernementalité libérale après et néolibérale, comme variante de la même forme. Et en effet, il y a un passage de Foucault dans « Il faut défendre la société » où il s'interroge sur qu'est-ce que c'est le peuple, et il dit « Le peuple est le sujet qui fait recours à la souveraineté pour se constituer en distinction, en opposition à la population. Donc, la population est le sujet de la gouvernementalité libérale néolibérale. Et Foucault dit le peuple se constitue en opposition à cette gouvernementalité en tant que peuple. Et il fait recours à l'idée de souveraineté. Mais Foucault, il est déjà conscient que cette idée de souveraineté ne marche pas. Et en effet, pourquoi ne marche pas? Parce que, j'ai cherché à imaginer, il y a deux aspects en conflit dans l'idée de souveraineté, puisque d'un côté, la souveraineté est
est un élément de théologie politique, c'est-à-dire il vient de l'idée de quelque chose de transcendant qui permet de donner un sens ultime à la communauté politique, mais de l'autre côté, notamment à travers Hobbes, qui est le premier qui utilise le dispositif de souveraineté pour sortir de l'état de nature, la souveraineté est exactement le contraire, c'est-à-dire c'est un principe ordonnateur, rationalisateur, qui met de l'ordre, qui exige l'exclusion, comme le dit Agamben, la souveraineté, la forme de la souveraineté est celle d'inclure en excluant, et celle d'immuniser, si on prend les mots de Roberto Esposito. Donc, c'est ces deux aspects, Schmitt, en fait, c'est paradoxal que Schmitt utilise la souveraineté pour lutter contre la rationalisation de la société moderne, lorsque cette rationalisation au niveau de l'État passe exactement à travers la souveraineté. Et donc, je me suis dit, si le populisme est attrait par l'idée de souveraineté pour revendiquer la souveraineté de la façon où Foucault imagine cette catégorie à soi et revendiquée, c'est surtout pour sa dimension de théologie politique, c'est-à-dire pour rechercher un sens pour atteindre une existence politique, mais en sachant que c'est un peu nous qu'on a choisi, que c'est comme ça qu'on représente l'existence politique, c'est-à-dire qu'en participant de la souveraineté d'un sujet collectif. Et là, donc, si je prends les analyses de Nadia Orbinati, je retrouve cette tension qu'est l'individu entre le peuple minuscule et le peuple majuscule, c'est-à-dire la tension du populisme est celle à clôturer la distance entre le peuple social et le peuple politique. Donc le peuple des, entre guillemets, misérables et du peuple, c'est-à-dire comme l'ensemble de la communauté politique. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière cette tension qu'elle considère comme la pathologie de la démocratie, puisqu'elle dit le dispositif de souveraineté populaire, par contre, est exactement ce qui empêche ce mélange depuis la Révolution française, en fait. Et par contre, si on lit Agamben, à nouveau, Agamben dit la distinction, cette ambiguïté entre le peuple minuscule et le peuple majuscule, c'est en fait la distinction qu'on trouve entre la nuvie et l'existence politique. Il y a des gens qui se trouvent dans une nuvie qui cherchent à atteindre une existence politique. Alors, j'ai imaginé que cette situation des peuples, des gens populistes qui cherchent de sortir de leur vie et qui cherchent de rentrer dans une existence politique est une situation qui mérite attention, notamment parce que Agamben, lorsqu'il théorise la notion de nu-vie, il la considère comme Arendt, comme la vie de ceux qui se trouvent en dehors des espaces de souveraineté. Donc, c'est les apolytes, ceux qui ne sont pas ressortissants, ceux qui n'ont pas d'accès aux droits puisqu'ils ne se trouvent pas rattachés à un État-nation ou avoir une garantie de ces droits. Alors, je me suis demandé, peut-être que ce qu'on cherche, c'est les populistes, c'est paradoxal, puisque normalement, les supporters du populisme sont exactement au contraire. Ils font un éloge de la nation, ils se trouvent dans ces espaces de souveraineté, et pourtant, ils se perçoivent comme étant dans ces nuvies, comme devant sortir de leur nuvie vers une existence politique. Est-ce qu'il y a donc une alternative à la théologie politique de la souveraineté pour sortir de cette nuvie dès lors qu'on est dans des espaces de souveraineté et on se perçoit comme étant en train de vivre une nuvie. Là, donc, je cherche à mobiliser le concept et la tradition, les traditions féministes autour de l'idée de vulnérabilité comme alternative à la souveraineté. D'un côté, puisque l'idée de vulnérabilité me semble répondre mieux que l'idée de souveraineté comme instrument de résistance et d'opposition aux rationalités libérales et néolibérales. En quoi ? Un peu à vol d'oiseau, rationalité libérale, j'imagine le mode où on forme les identités politiques, la représentation, le système de représentation des démocraties libérales est un peu un système
où on impose d'en haut des catégories identitaires et on demande une adhésion. Donc, il n'y a pas de formation des identités politiques, il y a une adhésion aux identités qui sont offertes par les partis politiques. Alors qu'il y a certaines théories, comme par exemple la théorie de vulnérabilité agonistique de Zeynep Gambetti, qui imagine une possibilité de formation identitaire en conflit et non comme prérequis du conflit lui-même, ou encore contre la rationalité libérale des théories, par exemple de la théorie de la démocratie délibérative, comme l'idée de donc rationalité, l'idée de démocratie où il faut que tout le monde donne son consensus et d'une façon raisonnée participe à la délibération. Il y a un autre modèle d'espace public qui est le modèle arendtien qui doit être corrigé, je considère, puisque Arendt, par exemple, n'a pas du tout de concern, elle ne s'intéresse pas aux questions du corps. Et là, c'est Judith Butler ou Adriana Cavarero qui ont corrigé, entre guillemets, Arendt en considérant l'idée d'exposition, donc de vulnérabilité, comme possibilité de s'exposer en public, mais tout en impliquant également l'effort d'exposition des corps, de ses propres histoires, donc une exposition d'identité, mais aussi physique. Et du côté de la rationalité néolibérale, j'ai jeté l'œil aux théories de la démocratie du care, j'espère que c'est qu'on sait en français, en anglais c'est Caring Democracy de Joan Tronto, puisque la rationalité néolibérale, notamment je fais référence à l'idée de sacrifice personnel, de responsabilité personnelle, contre laquelle les théories de démocratie du care imaginent, et notamment Tronto fait ça, une démocratisation des procès d'établissement de ce que c'est care, de ce que c'est prendre des soins, et une démocratisation des processus d'allocation de responsabilité de care. Comme ça. Donc, si cela est le panorama dans lequel je m'inscris, la critique à l'idée de souveraineté populaire à côté de cette partie féministe, a également une partie biopolitique, psychoanalytique. Pourquoi ? En m'appuyant sur les travaux d'Éric Santner, qui relie de manière psychoanalytique les deux corps du roi de Kantorowicz, et ce qui Santner dit Foucault, lorsqu'il n'était pas vraiment en train de caractériser le passage de la souveraineté au biopouvoir et à la rationalité libérale néolibérale, en réalité, ce n'était pas parce qu'il s'agissait d'un changement de forme de pouvoir, mais parce qu'il s'agissait d'un changement de locus de pouvoir. C'est-à-dire ce qu'on a à ce moment-là dans l'histoire, c'est le passage de la souveraineté du roi au peuple. Et donc, toutes ces pressions biopolitiques de la rationalité libérale et néolibérale seront en fait le résultat du fait que le corps à soigner n'est plus le corps du roi, mais le corps de tout le monde. Tout corps devient souverain et le corps de tout le monde doit bénéficier des mêmes soins. Et à côté de ces pressions biopolitiques, il y a également des pressions normative psychoanalytique, puisque si on revient au concept de signifiant maître de Lacan, là, la jouissance des sujets dans la communauté politique consiste à se signifier l'un l'autre en termes du signifiant maître. Et si le signifiant maître est celui de la souveraineté du peuple, là, tout le monde se signifie aux autres en termes de cette souveraineté. Et souveraineté qui, par définition, est la négation de la vulnérabilité, puisque la souveraineté est un peu l'être au-delà, en dessus de l'humain, et un peu étymologiquement, presque littéralement. Alors que la condition humaine, si je reprends Arendt, c'est une condition de vulnérabilité. Alors je me demande si cette notion d'existence politique liée au fait d'atteindre la souveraineté, même dans le sujet collectif, est une condition qui encore est adaptée aux exigences de sortir
d'une vie. Là, je me rattache à ce qu'il disait Télémaque d'abord. Un peu l'idée, c'est que peut-être les droits civils, politiques, mais même les droits sociaux, ne soient pas en eux suffisants pour un procès de démocratisation. Donc, si on veut sortir de la nuvie et accéder à une existence politique, peut-être que ce n'est pas exclusivement à travers les droits et donc la voie libérale, d'émancipation libérale qu'on a connue jusqu'à ce moment, qu'on peut y arriver. Et à ce propos, donc, en reprenant toutes ces réflexions, oui, je sais, encore 30 secondes, une minute et j'ai terminé. Ces réflexions, même m'appuyant notamment sur Foucault et sur son éthique du soin de soi et sur son idée de rationalité politique, je me demandais d'un côté, si du côté théorique, il faut changer notre théologie de la politique, de la souveraineté populaire avec l'une de la vulnérabilité populaire, et notre idée de sujet démocratique comme sujet qui se gouverne, donc si l'autonomie passe par le fait de se gouverner ou plutôt par le fait de se prendre soin de soi, alors que les choses peuvent s'en chevauchent si on a une certaine lecture de Arendt et de la Grèce ancienne, si on a peut-être besoin de changer rationalité et donc pour le moment du moins d'adopter une rationalité féministe, alors que cela va requérir un effort de réinterprétation continue. C'est-à-dire, je suis d'accord avec Monsieur Arcoa à cet égard, peut-être ce n'est pas aller vers le matriarcat, mais pour l'instant peut-être il faut changer, aller vers une rationalité politique féministe. Et de l'autre côté, côté praxis, il me semble que le modèle de Toronto soit un modèle qui un peu est proche de l'idée de démocratie abolitionniste, puisque à côté du négatif et du positif, on a vraiment le besoin de repenser les rôles de production et de reproduction et comment ces rôles sont, il y a l'occasion de ces rôles dans une société démocratique. Merci. Merci, merci Giuseppe. Une réaction que j'ai en fait, c'est tu sembles aller dans les différents domaines ici, que ce soit discours et écrits sur la souveraineté ou discours écrits sur le populisme ou sur la vulnérabilité. Ou sur la vie nue, etc. L'unité de réflexion me semble différente. Donc, la vulnérabilité me semble quelque chose de très individuel, ou de l'unité étant vraiment la personne vulnérable, plutôt qu'une société ou une population vulnérable, ou la personne ou le groupe ou un petit groupe ou une classe, ou que ce soit genre ou quelque chose, tandis que pour souveraineté, pour populisme, notion du peuple, etc., on est vraiment à l'unité du collectif entier, quoi, de la population entière. Et ça m'intéresse, mais c'est quelque chose, il me semblerait, à développer, parce que, bien sûr, le libéralisme et la rationalité libérale, c'est toujours l'unité, c'est l'individu. Il y a une certaine individualité à la rationalité libérale qui est fondatrice, vraiment. Je veux dire, la minute qu'on pose des questions à l'unité individuelle, on est en train de poser des questions à la théorie politique libérale. Mais la vulnérabilité me semble, d'autre part, comme assez proche de l'unité individuelle. Comment est-ce que le féminisme se situe ici? Dans beaucoup de travail, que ce soit Gilligan ou d'autres, ça se définit en partie par une perspective plus relationnelle,
et non pas focalisé sur l'individu, mais tout de même, même si c'est relationnel et même si les vulnérabilités sont relationnelles, la question qui se pose, c'est est-ce que de partir de la vulnérabilité pour une théorie qui pourrait remplacer la souveraineté, par exemple, est-ce qu'on est en train de est-ce qu'il y a un fondement théorique différent qu'il faut prendre puisqu'on est en train de changer les unités, vraiment. Si, est-ce que ça fait du sens, la question que je pose Oui, oui, je comprends la question. J'avoue que j'avais considéré, c'est-à-dire je n'avais pas vu la question comme ça, c'est-à-dire même la souveraineté, on peut la lire au niveau de l'individu. C'est-à-dire on a été habitué, je crois, à la lire au niveau du sujet collectif. C'est, ouais. C'est une qualité qu'on est peut-être habitué à lire dans les deux domaines. Mais lorsque je faisais référence à la vulnérabilité dans le sujet collectif, c'était un peu, oui, dans cette dimension du relationnel, mais qui sous-entendait une idée de vulnérabilité comme condition humaine, c'est-à-dire un peu la precarity contre precariousness de Judith Butler, qui avait un peu déjà considéré à bâtir la communauté politique autour de la vulnérabilité, c'est-à-dire de cette dimension qui est bien évidemment individuelle, mais que exactement, puisque c'est de tous les individus, c'est la chose qui nous partageons. C'est le fait que tout le monde est vulnérable. C'est la plus commune des qualités individuelles, je ouais. pourrais dire. Oui, et sans doute, tu as raison, les questions de souveraineté peut-être au niveau individuel, c'est certain, c'est certain. Parce qu'en fait, une critique du libéralisme et de la théorie de l'action rationnelle et tout ça, c'est vraiment le mouvement de l'individu à la collectivité, hein. Une des critiques, disons. Est-ce que d'autres gens veulent intervenir avant que je ne veux pas encore une fois monopoliser, mais vas-y, Yvan, ouais. Moi, j'aurais une petite remarque à propos de l'articulation entre Michel Foucault et Hannah Arendt. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai un... Ouais, allez-y, c'est bon. Très correctement. Il me semble que la grosse différence entre Hannah Arendt et Michel Foucault, de ce point de vue-là, c'est que pour Hannah Arendt, ce qui fait la politique, c'est le monde qu'il y a entre les hommes. Et au fond, ce ne sont pas les hommes séparément qui sont politiques, mais c'est ce qui est créé entre nous, dans ce qui est créé, dans ce qu'il y a entre nous, ou même, j'ai envie de dire, dans le présent moment où je vous parle. Et c'est une critique qui n'est pas faite directement par Foucault, mais qui a des accents foucaldiens qui m'a fait penser un petit peu à quand vous en avez parlé, qui consiste à dire que finalement, pour Hannah Arendt, l'échange de paroles, dans la mesure où elle permet l'interlocution, la délibération, fonde toute politique parce qu'elle fonde un monde commun, un monde où, comme vous avez dit, on apparaît en public. Et l'un des points aveugles d'Hannah Arendt, c'est de considérer que l'échange de paroles est en soi égalitaire, puisqu'il permet l'interlocution, si vous voulez. Alors que Michel Foucault, on a plutôt l'impression que pour Michel Foucault, ce n'est pas le langage qui fonde la politique, mais c'est que la politique, les rapports de pouvoir passent aussi par le langage, qu'au fond, un échange de paroles n'est jamais neutre, et qu'il y a une dissémination du pouvoir qui se fait aussi dans le langage. Est-ce que dans votre articulation entre Michel Foucault et Hannah Arendt, c'est quelque chose que vous avez... peut-être approché ou que vous avez senti. Je ne sais pas si je me fais comprendre clairement. Ouais, non.
Oui, alors en fait, principalement, je n'ai pas lu à côté Foucault et Arendt, les deux, c'est-à-dire c'était un peu deux parties différentes, c'est-à-dire Arendt, je l'ai lu avec la critique féministe de Arendt et Foucault avec Tronto pour faire des rapprochements entre l'éthique du cœur du soi et le modèle de Caring Democracy. Arendt, je l'ai lu, mais je comprends. Le point, seulement, je dirais que pour ce qui concerne Arendt, l'échange de paroles qui font de la politique n'est pas nécessairement un échange de paroles rationnel. C'est-à-dire Arendt, pour ce que j'ai compris, met sur le même plan l'action et le discours. Donc, ce n'est pas, je dirais, une action performative comme le voit un Butler, mais en tout cas, le côté discours qui intéresse à Arendt est un discours, entre guillemets, non rationnel. Ce n'est pas la communication habermasienne, c'est plutôt l'histoire personnelle. C'est le côté de l'identité de l'acteur qui se révèle dans son action et dans sa parole. Mais sa parole et sa la possibilité de devenir politique est liée à Hannah Arendt, non pas à la possibilité de prendre parti aux décisions, mais à la possibilité d'avoir accès au partage de son histoire personnelle et de son identité. Là, je suis d'accord avec le fait qu'elle ne se rend pas compte du fait que ses possibilités ne sont pas égaux, pour tout le monde, et lorsqu'elle reprend le modèle de la police de la Grèce ancienne, la principale critique est en fait, oui, ce modèle était tenable jusqu'où on avait des femmes et des esclaves dans l'oïkos, et alors on pouvait prendre la parole dans la police. Mais c'est là également que je vois comme le modèle de Caring Democracy de Tronto comme correction, c'est-à-dire pour permettre à tout le monde d'avoir une chambre à soi, comme le disait Télémaque, et avoir une possibilité d'expression et de parole personnelle, il faut qu'on ait au niveau démocratique une allocation des responsabilités des activités de soins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la femme dans l'oïkos et l'homme dans la police, puisque bon, la grécité ancienne nous semble lointaine, mais je suis en Italie du Sud, le modèle dans la famille de l'Italie du Sud est celui-là, c'est-à-dire c'est la femme dans l'oïkos et l'homme dans la police. Donc, puisque l'homme a cette idée que il est the breadwinner argument, il porte à la maison à manger, donc il ne doit pas participer aux autres activités de maintenance de l'oïkos. Et c'était pas, je crois, une réponse précise. Non, c'est très bien. Très bien. Bon, du très beau travail. Je trouve que cette direction de caring avec Tronto est très prometteuse et intéressante et une belle résolution de la problématique que tu as développée. Alors, merci beaucoup, Giuseppe. On continuera la conversation, bien sûr. On se prend une petite pause pour reprendre avec Zeno à 19h chez vous. Donc, 3 minutes et puis on se reprend, OK? 3 minutes. Bonjour tout le monde. Rebonjour. Bien. Zeno, oui. Tu es là? Je suis là. Et tu as une présentation pour nous? Oui, très très rapide, mais ça va être un peu plus facile puisque je vais présenter un peu quelques traits fondamentaux de Paricon, et donc c'est plus facilement compréhensible, mais à un moment, parfait. Je vais arrêter. Parfait. Parfait, parfait. Alors, je crois qu'on est tous là. Alors, vas-y, Zeno, à toi la parole. Ok, bon, je vous laisse d'abord lire cette citation que j'ai mise, si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, bon, je commence par cette citation de Philip Murawski dont Bernard a parlé hier, non seulement puisque je la crois très importante quand on parle d'économie politique et d'économie, mais
aussi parce qu'elle indique un peu la direction que prendra mon analyse de l'économie dite participative, ou PARICON, c'est le nom que je vais utiliser à partir de maintenant. Je n'ai que 10 ou 15 minutes pour mon analyse et pour présenter PARICON, donc j'y vais tout de suite. OK. J'essaie. Voilà. Si Marx place la marchandise au début de son capital, je devrais probablement ouvrir PARICON par la notion d'effort. Dans PARICON, c'est uniquement l'effort et non pas la productivité, ni la détention du capital, ni évidemment le genre ou la couleur de peau qui paye. La valeur qui correspond, et vous la voyez sur la présentation, c'est l'équité. Bien sûr, par opposition à l'égalité qui justifierait une rémunération selon la productivité. La deuxième valeur, celle de l'autogestion, montre que Albert et Hanel proposent qu'on obtiendrait ce salaire au sein des firmes autogérées, et cette notion d'autogestion est très ambitieuse dans PARICON. Non seulement les firmes n'auraient pas d'actionnaires ni de managers, mais tout le monde aurait un travail équilibré. Des auteurs proposent d'ordonner les tâches à accomplir au sein d'une firme selon le « empowerment » qu'elles entraînent sur une échelle quelconque, disons 10. Donc, si on suppose que le « empowerment » moyen au sein d'une entreprise est 5, les tâches que tout le monde fait au cours de son temps de travail doivent-elles aussi avoir un « empowerment » moyen de 5. En même temps, toutes les travailleuses participent ou à un des conseils de la firme et y gèrent tout ce qui importe, notamment la planification de sa production et de ses services. Cette planification participative se fait annuellement. Elle n'est que la face offre de la demande de la pièce de PARICON. L'autre est celle de la planification participative de la consommation. En effet, tout le monde appartient aussi à un conseil de consommateurs IS auquel on envoie périodiquement ce qu'on demande. C'est tout un système de délibération et de circulation d'informations, une sorte d'atonnement qui permet de déterminer les prix qui équilibre l'offre globale à la demande globale. PARICON est donc une forme différente de médiation entre l'offre et la demande que ce qui se passe actuellement. PARICON se présente donc comme une supérieure autant au capitalisme qu'au socialisme planifié et au socialisme de marché. On peut bien sûr contester ces notions, mais ce qui est pour le moins évident, c'est qu'il n'existe pas de marché au sens actuel du terme, ni une planification simplement centralisée. Albert le dit comme ça: regarding markets, abolitionism is an appropriate attitude. Je dois aussi insister sur le fait que, bien sûr, beaucoup d'aspects sont mieux élaborés que ce que je peux développer ici, mais il y a aussi des lacunes très importantes et évidentes, par exemple la question de la monnaie, celle d'une possible banque centrale, de l'inflation, de la gestion de l'épargne, celle des taxes, etc., etc. Donc, pour rapidement historiciser un peu tout ceci, je crois qu'il est fondamental de comprendre PARICON, entre autres, par la matrice de l'économie néoclassique. C'est une proposition qui réunit des propos d'inspiration diverses, mais il y en a deux qui sont quand même plus fondamentales que d'autres. Je les associe maintenant à deux noms, celui de Vilfrido Pareto et celui de Arthur Pigou. De penseurs qui s'inscrivent d'une manière ou d'une autre dans la révolution marginaliste en économie. En effet, en 1991, Albert et Hanna publient un livre qui s'appelle « Quiet Revolution in Welfare Economics » et ils y soutiennent que, contrairement à l'allocation à travers le marché ou bien la planification centralisée, PARICON est en théorie capable d'achever l'optimalité de Pareto, à savoir un état où l'utilité est maximisée au niveau global de l'économie. Pareto a centralement raisonné avec des courbes d'indifférence, comme vous le savez, qui décrivent les rapports entre prix et quantité achetée ou produit
d'un bien auquel mon utilité est stable ou celle d'autres personnes, peu importe. C'est un raisonnement qui est appliqué autant à l'offre qu'à la demande et qui a été fondamental pour beaucoup d'économistes jusqu'à aujourd'hui. Deux d'entre eux, Arrow et Gérard Debreu, ont mathématisé ce modèle et à partir de ceci, ont constitué un modèle quantitatif. L'intervention de Albert et Hannah est donc de dire que dans ce modèle même, Paricon peut achever l'optimalité alors que l'allocation compétitive ou celle par la planification centralisée ne le réussissent pas. Ils vont même plus loin. Selon eux, vu que la modélisation présuppose des utility maximizing individuals dans le sens étroit de Pareto, la réalité plus solidaire de Paricon serait supérieure à celle de l'optimalité de ce modèle. Je pourrais partir sur des incohérences sur leur argumentation, mais je voulais juste souligner la logique de leur argumentation. Ensuite, Paricon comporte une distinction importante. C'est le deuxième point ici sur la présentation. C'est celle entre les prix compétitivement déterminés, mais asociaux et inefficients pour Albert, et des prix qui reflètent, selon Albert, le vrai coût social ou true social cost. Pour comprendre cette distinction, je dois rapidement introduire la notion de l'externalité, elle aussi très importante dans l'économie néoclassique. L'anglais Arthur Pigou, qui vivait plus tard que Pareto, a introduit l'idée selon laquelle la taxation d'une activité économique peut en fait augmenter l'utilité globale de l'activité économique en tant que telle. C'est-à-dire, le nouveau prix permettrait d'introduire dans le système ce qui auparavant était externe, d'où la notion d'externalité. Ça me prendrait plus de temps de développer ce que veut dire exactement Pigou, mais ou comment il introduit ça dans des contextes de salaire, etc. Mais Albert donne celui de la fumée des cigarettes tout banal. Donc, si les cigarettes étaient très bonnes au marché, on fumerait plus, ce qui gêne beaucoup de monde, surtout les personnes qui ne fument pas, d'une part par la fumée et d'autre part par l'augmentation des coûts de santé. Donc, pour optimiser ça, on augmente les prix des cigarettes et plus d'utilité pour celles et ceux qui ne fument pas, un peu moins pour celles et ceux qui fument, mais en somme, l'optimalité du système est achevée. C'est vraiment une pensée parfaitement néoclassique. On suppose qu'il y a un fonctionnement interne à l'économie et un qui est externe, et il y a un mode de gestion des comportements qui permet, par l'intégration de ce qui est externe, d'achever un état d'équilibre, donc de Pareto. L'intervention de Albert est là aussi originale. Il dit en fait que ce true social cost qui existe dans Paricon est justement un coût qui intègre plus d'externalités que les coûts que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est contrairement à ce qu'on pourrait supposer. C'est pour lui l'autogestion, vu que je sais que la consommation des cigarettes dans une communauté sera discutée en conseil de consommateurs, je suis prêt à payer a priori avant même la discussion au sein des conseils de consommateurs. Et je suis un prix plus élevé pour mes cigarettes. Donc, au lieu d'avoir un gouvernement central qui régule les prix des cigarettes, je vais m'imposer ça moi-même afin de vivre en équilibré, dans une position d'équilibre avec la communauté. Dans les termes d'Albert, son argument est donc Paricon arrives at more accurate pricing and economic adjustments than markets and central planning can achieve, but additionally it enhances rather than obliterates solidarity, diversity, equity and self-management.
Voilà donc un peu la logique. Je pense pourtant que les deux auteurs ne sont pas suffisamment explicites sur ces sujets. Ils ne les cachent pas vraiment dans tous leurs textes, mais ils ne disent jamais que cette notion très particulière de l'utilité marginale et des ajustements des prix qui sous-tend leur argument de Paricon vraiment en tant que tel et de sa légèreté gouvernementale peut fonctionner. Donc, comme Bernard le disait hier, enfin, l'une des thèses qu'il présentait ou que tu présentais hier, je sympathiserais ici avec Murawski en disant que nous, et donc non seulement Hannah, mais aussi pas mal d'autres auteurs, que je n'ai pas le temps d'élaborer dessus, sommes constamment en train de penser l'au-delà avec des figures de pensée de nos ennemis ou plus modestement avec des figures de pensée dépourvues de pertinence. Donc, j'ai encore 3 minutes. Qu'est-ce qui reste de Paricon sans icon, c'est-à-dire sans économie? Des éléments intéressants, mais aussi une certaine confusion, je dirais. Premièrement, Paricon se base sur une distinction entre l'économique et le politique, comme beaucoup de programmes, justement, qui se disent économiques, mais sont en fait des programmes pour la société entière. Mais Paricon ne théorise pas très bien cette distinction même. L'État n'y figure pas, et comme je viens de le montrer, Paricon est une sorte de théorie politique néoclassique, je dirais. Des fonctions étatiques, comme la taxation de produits nuisibles, s'y fait par les individus et par les conseils de producteurs IS ou de consommateurs IS. En ce sens, les institutions économiques y légifieraient comme le font aujourd'hui les parlements. Albert parle même du fait que chaque personne qui a un travail et donc un balanced job, comme je le disais avant, a des conception and execution tasks. La participation même de tout le monde est un travail autant de législation que d'exécution. Mais tout le monde ne peut pas avoir le même poids, et notamment dans la recherche du bon plan participatif qui correspond le mieux aux producteurs IS et consommateurs IS. Albert dit tantôt que chaque conseil aurait le même poids dans ce système, tantôt qu'à la fin, c'est quand même le dernier conseil, donc le plus général de toute la population, qui approuverait les plans d'offres et de la demande. Et donc, on aurait devant soi un système très, très classique d'une hiérarchie d'un conseil à l'autre. De la même manière, Albert et Hannah ne favorisent jamais un mode de prise de décision, par exemple des consensus majorité qualifiée ou majorité simple, mais disent tout simplement que tous les conseils de production et de consommation pourraient déterminer ça eux-mêmes. Mais il me semble qu'il serait absolument nécessaire de mieux élaborer ceci. C'est un problème qui se pose dans beaucoup d'expériments, enfin de réalités, disons, alternatives. Et il faudrait y apporter plus que juste dire que tout le monde peut faire ce qu'il peut. Voilà. Donc, j'ai plus beaucoup de temps, mais j'aurai encore beaucoup de thèses. Mais disons que dans une deuxième proposition de moi serait de, si on veut se défaire de la notion d'économie, qui ici est d'une certaine manière liée à la notion d'équilibre, on pourrait la remplacer par celle de l'extraction. Il est évident qu'en vue du changement climatique, d'une certaine manière, il faut poser des limites à l'activité extractive, et tout le monde, en même temps, tout le monde sait qu'il n'y a pas de production
sans extraction. Donc, tout l'enjeu est celui de la détermination collective de cette limite de l'extraction. Je me réfère là encore à la citation de Murawski avec laquelle j'ai commencé et que du coup je vais finir pour dire que cette notion d'équilibre vient directement de la théorie physique et ne nous sert pas à penser nos alternatives. Si on pense donc avec l'extraction et ainsi avec la décroissance de l'extraction qui s'impose aujourd'hui, je pense que celle-ci est étonnamment bien pensable avec Paricon, vu que l'allocation ne s'y fait pas par des marchés compétitifs, mais par une sorte de contrat de production-consommation annuel, le gouvernement de la décroissance devient intelligible. Voilà, j'ai vu que j'ai déjà dépassé un peu le temps. J'aurais plus à dire, mais... Ok, voilà. C'est bon. Merci Zeno pour cette présentation et pour nous instruire un peu sur Paracon. Donc, merci. Alors là, bien sûr, l'intersection que je vois, sur laquelle tu as mis un peu le doigt, c'est l'abolition des marchés, vraiment, on dira ici. Hein. Comment penser l'abolition des marchés et son remplacement. Et donc, le marché ici, vraiment, est remplacé par la planification participative. Mais, alors, une question que j'ai, en fait, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le marché et une planification participative? En d'autres mots, le marché... Ah, cet aspect participatif, n'est-ce pas? En même temps, donc, il me semble que peut-être la différence entre marché et planification participative, ce n'est pas tellement une différence de... Ce n'est pas une différence de deux objets qui sont entièrement différents. C'est plutôt une question de la réglementation des méthodes par lesquelles la participation se traduit en quoi? La participation se traduit en décision? Ouais, quelque chose comme ça. Does that make any sense? It's more the regulatory form than a different object. A regulatory form that includes, on the one hand, a more explicit recognition of the regulatory body. En partie parce que le marché n'a pas une reconnaissance d'avoir un corps régulateur. En fait, c'est l'illusion du marché. C'est ce qui fonctionne tellement bien avec le marché, c'est que on n'explicite pas les formes de réglementation. Tandis qu'avec un participative planification, on est assez explicite. Quel est l'acteur qui régit, qui réglemente cette participation. La question que je me demanderais, c'est est-ce que c'est en fait, c'est pas tellement une institution différente, mais une explicitation de comment le marché marche, en fait. Voilà. What do you think? Oui, en grande partie, je suis d'accord donc sur le fait qu'il y a évidemment une participation et un certain mode de fonctionnement entre offre et demande qui existe aujourd'hui, qui existe dans ce système aussi. Ce qui me semble pourtant différent, c'est que
là aussi, il faudrait élaborer beaucoup plus longuement, mais si on fait, disons, abstraction des subventions étatiques, de limites, d'entraves au libre commerce, au libre-échange international, etc., on est dans une situation où le critère principal pour la vie ou non d'une entreprise est celui de la profitabilité. Et ça, c'est tout à fait évident. Il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite tout le temps, un peu plus maintenant, mais bon. Et en fait, dans Paricon, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a également, et ça c'est, si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu en parler, mais en fait, il y a aussi une sorte de critère de productivité qui est implicite dans tout ça. Donc, Albert et Hannah disent que si jamais il y a des entreprises qui ne sont pas suffisamment productives, ça serait délibéré au sein de ces conseils de consommation et de production. Et du coup, c'est ces conseils qui décideraient à la fin si on veut maintenir ou pas une entreprise. Donc, cette forme de régulation entre offre et demande serait quand même un peu autre de la forme actuelle où il n'y a pas vraiment cette marge qui existe et où il y a une sorte de collectif qui peut dire, par exemple, si à Paris, je ne sais rien, il y a des abricots qui sont plus difficiles à faire croître, mais et du coup, ça, c'est moins productif la production, mais on veut quand même le faire puisqu'on aime bien les abricots qui poussent juste ici. On pourrait beaucoup plus simplement le faire dans Paricon que dans un système où il n'y a pas cette sorte de délibération à une échelle très particulière, par exemple. Oui, ouais, parce qu'on met les intérêts des citoyens ou les. Yeah, although, bien que je pense qu'un économiste néoclassique dirait simplement oui, bah, je ne sais pas, peut-être que c'est simplement les préférences. Et puis, si en fait. Stated preferences versus actually what you're willing to pay for. En d'autres mots, un économiste néoclassique dirait, oui, ben en fait, non, c'est les gens, ils aimeraient bien avoir des abricots qui viennent du quartier, mais en fait, ils sont pas prêts à payer pour les abricots du quartier. En d'autres mots, you got to put your money where your mouth is. Revealed preferences. From a neoclassical perspective, is this idea that the only way you figure out what people really want is how much they're willing to pay, right? Oui. Whereas in your situation, or it sounds as if Paracon is more willing to believe in people's stated preferences rather than in their revealed preferences, right? Oui, ben, en fait, ce qui sera différent d'une certaine manière. Ici, c'est que toute cette prise de décision n'aurait pas directement un effet, enfin, ne peut pas être rendue intelligible avec willingness to pay, puisque à la fin, les prix, enfin, c'est au moins ce qui est détaillé dans le livre principal de tout ça, le prix resterait quand même le même. Alors qu'il y a des différences en termes de productivité d'un territoire à l'autre. Donc, je peux avoir exactement la même willingness to pay que quelqu'un autre part, et je vais donc exactement payer la même chose pour ces abricots locaux que des gens qui habitent dans des territoires beaucoup plus productifs. C'est un peu la différence. Ouais, ouais. Je crois. Ok, bien, 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 bien. Je ne sais pas si d'autres voulaient intervenir, mais on est presque à la limite. Donc, je crois qu'on va passer à Gustave. Merci, Zeno, pour cette présentation et pour
cette analyse et on va continuer la discussion. Donc, merci. OK. Gustave ? Oui. Bonjour. Bonsoir ou bonjour. Bonjour. Et je m'appelle Gustave Calm et d'ailleurs, je suis un doctorant en anthropologie à Columbia normalement, mais actuellement à Paris. Donc, je m'étais inscrit à ce séminaire en début de semestre en espérant de vous rencontrer tous en personne. Et, malheureusement, et... ouais, on est en vidéo. Mais, ouais. Mais au moins, on est là. Et j'ai... Et je n'ai pas pu assister à présentiel, malheureusement non plus, à la majorité des événements de la semaine précédente. Donc, je les ai rétro-visionnés parce qu'entre-temps, on a changé de cours pour lequel je suis chargé de TD. Et donc, c'est tombé au même moment, malheureusement. Bon, okay. Mais la semaine prochaine, je peux assister à tous les événements. Parfait. Bien. Bienvenue. Merci. Merci. Et donc, ben, j'ai profité de cette occasion de présenter mes recherches, mais qui, du coup, sont, bien que les questions de propriété y ont une place centrale, passent par une autre manière. Elles ne sont pas dans la théorie politique, mais peut-être sur un plan théorique, se situent quelque part entre sociologie économique, anthropologie du droit et géographie de la production. Mmh. Et bon, mais ce qui... Enfin, là... Sur quoi je travaille ou d'où part mes réflexions, c'est quelque part d'une observation simple qui a été faite dans différents travaux par les économistes qui travaillent sur les inégalités mondiales. Et si on regarde la distribution des revenus mondiaux, c'est plus ou moins une distribution normale. Et pour déterminer, enfin, de toutes les personnes qui se situent au monde, si on voudrait déterminer la position d'une personne lambda dans cette distribution de monde, distribution des revenus mondiaux, on peut penser à deux types de facteurs, soit son appartenance classe dans le territoire où il se situe, et soit le territoire dans lequel il se situe. Donc, dans les travaux de Branko Milanović, il montre qu'actuellement, ou depuis les années 1960, le positionnement territorial de la personne, donc appartenance à un État, compte pour 80% de son position dans la distribution de revenus mondiaux et sa position de classe compte seulement pour 20%. En 1820, les proportions étaient l'inverse. Donc, la position de classe de la personne comptait pour 80% et le territoire étatique où il se trouvait comptait pour 20% seulement. On peut beaucoup critiquer ce genre de travaux quantitatifs et il y a plein de limites, mais je pense que ce renversement de proportions est une donnée très importante. Et pour autant que la discipline où je me trouve, l'anthropologie, a beaucoup regardé la production des inégalités, la production des sentiments d'autres de multiples manières, quelque part, c'est ce fondement d'inégalité mondiale où l'appartenance territoriale et capitale n'y est pas peut-être étudiée suffisamment. Bien qu'on l'ait étudié en différentes formes de postcolonialisme, ce côté de l'économie politique et le rôle productrice de l'appartenance étatique, je trouve, n'y est pas étudié suffisamment. Et donc, pour mon travail de thèse, je suis parti d'une mécanisme régulateur de l'économie mondiale qui participent à la production de ces inégalités particulières. Il y aura pu y avoir, enfin, il y en a certainement beaucoup d'autres mécanismes que j'aurais pu étudier, mais pour mon cas, j'ai choisi le mécanisme de protection des investissements étrangers, qui est un mécanisme juridique qui a été mis en place durant la période de décolonisation formelle pour protéger la propriété des investisseurs étrangers dans les pays nouvellement indépendants, principalement. Donc, il procède par deux manières, généralement, soit il est inscrit dans les lois nationales, soit il y a des traités internationaux, ou soit il y a des contrats d'investissement entre une entreprise étrangère et l'État en question. Et peut-être le mécanisme, il y a beaucoup de différentes clauses et beaucoup de différents degrés de protection qui peuvent être offertes, mais le mécanisme principal ou l'invention principale qui est intervenu dans les années 60, principalement, il y a des antécédents, mais c'était de faire sortir les contentieux qui opposent les investisseurs étrangers et les États des juridictions nationales
et de les soumettre à l'arbitrage international. Il y a une convention CRD de la Banque mondiale, mais qui a tout un délai jusqu'à ce que cela produise réellement des conséquences politiques. Et donc, je voulais étudier ce mécanisme. Donc, on peut dire que quelque part, son portée ou sa portée politique principale est d'élargir la protection de propriété et du contrat internationalement, qui avant était principalement régulé au sein de l'État territorial. Bon, bien qu'il y a eu toute une gunboat diplomacy et multiples autres manières que la propriété aurait pu être protégée aussi internationalement. Et donc, procédant comme un anthropologue, je viens de terminer 2 années de terrain. La première année était à Paris, où au départ, je voulais m'intégrer dans un cabinet d'avocats, parce que Paris est un des principaux centres de résolution de différends entre investisseurs et États, et surtout en ce qui concerne les pays d'Afrique anciennement colonisés par la France. Mais pas uniquement, beaucoup d'autres différents se terminent à Paris aussi. Mais ça n'a pas marché avec les cabinets d'avocats pour me rendre derrière les coulisses. Mais j'ai pu avoir beaucoup de conversations avec des avocats, j'ai pu assister à beaucoup de colloques professionnels pour la promotion d'investissement et pour voir quelles sont les manières dont les personnes, les professionnels de ce milieu parlent de leur travail et la manière dont ils font le travail. Et je voulais toujours, dans une deuxième partie, me focaliser sur un contentieux et un projet d'investissement concret. Et donc, n'ayant pas pu accéder à un cabinet d'avocat de la manière que je l'avais souhaité initialement, j'ai choisi au lieu un arbitrage d'investissement sur lequel il y a eu un très grand degré de publicité, donc où il y a eu beaucoup de documents qui ont été publiquement accessibles. Et j'ai choisi un arbitrage qui avait opposé à une petite entreprise minière israélienne, BSR, et la Guinée-Conakry, en Afrique de l'Ouest. Et c'est un arbitrage qui a eu lieu en CIRD, donc le Centre international de règlement des différends d'investissement de la Banque mondiale, mais physiquement qui a eu lieu à Paris, il y a quelques années, et qui a été résolu à l'amiable, en fait, à la fin. Et ça part d'un projet d'investissement dans le chaîne de montagne de Simandou en Guinée, qui est un des plus grands gisements du minerai de fer dans le monde, après ceux de Brésil, et il est le plus grand qui n'est actuellement pas mis en exploitation. Il y a eu des projets sous le régime colonial français, des projets de l'URSS, il y a eu des projets avec Mitsubishi Corporation, il y a eu tout un tas de projets précédents. Et dans les années 90, les droits miniers avaient été donnés à Rio Tinto, qui a fait des travaux d'exploration, mais qui n'avait pas mis la mine en exploitation. Et à la fin du régime de Lansana Conte, en 2006, les droits miniers de Rio Tinto ont été saisis en partie et passés à cette petite entreprise minière BSR, qui par la suite a pu vendre 51% de son projet guinéen à Vale, une très grande entreprise minière brésilienne, pour 2,5 milliards de dollars. Ça, c'était en 2010. Puis Alpha Condé est devenu président dans les premières élections plus ou moins démocratiques. Et a commencé un processus de révision des contrats miniers pour éliminer ceux qui étaient touchés par la corruption ou par d'autres mécanismes. Et donc, en 2014, après un travail d'investigation internationale, le contrat minier de BSR Vale se trouve annulé. Suite à quoi, BSR poursuit l'État guinéen devant le Centre international de règlement de différends d'investissement de la Banque mondiale. Et en parallèle à ces procédures CRD, il y a aussi Vale qui poursuit BSR dans un arbitrage commercial à Londres, à LCIA.
il y a Rio Tinto qui poursuit Vale et BSR à New York, dans le Southern District de New York. Il y a aussi un processus initié par BSR contre George Soros, parce que George Soros, par le Open Society Foundation, avait conseillé la Guinée pour la révision des contrats miniers. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce procédure particulier, c'était parce qu'il y a eu les deux parties dans cet arbitrage CRD, ça ayant sujet à avoir une raisonnable possibilité de gain, ont décidé de mettre toutes les soumissions, de rendre toutes les soumissions publiques, y inclut pas seulement leur mémoire et les contre-mémoires, mais également toutes les différentes pièces qu'ils ont produites avec leur mémoire. Et il y a aussi des vidéos, des audiences de cette procédure. Et la Guinée est participant dans ce qui est l'initiative de transparence dans les industries extractives. Toutes les conventions minières de la Guinée sont publiées en ligne. Donc, c'est un assez nouveau processus et il y a pas mal de pays qui participent, beaucoup critiqués pour ne pas faire ce qu'ils diffèrent. Mais pour autant, pour un chercheur comme moi, ça a permis un accès documentaire remarquable. Et donc, dans l'année académique qui vient de s'écouler, donc 2019-2020, j'ai passé, jusqu'à Covid, j'étais en Guinée et j'étais sur la chaîne de montagne avec des différents acteurs, comme beaucoup de temps avec des marabouts qui avaient lutté contre les sociétés minières, mais aussi avec d'autres personnes, et aussi dans le capital de Conakry, en train de causer avec des fonctionnaires dans le secteur minier, mais aussi des représentants de toutes sortes d'entreprises minières. Et donc, sortant de cette enquête qui a à la fois été à Paris avec des avocats, des financiers, des comptables, d'autres personnes qui participent dans cette promotion d'investissement, et autour de ce contentieux et projet d'investissement autour de Simandou en Guinée, je suis depuis quelques mois en train de revoir mes notes et de mettre en place une sorte de plan. Et donc, je vous propose dans les 4 minutes qui me restent de juste montrer plus ou moins la façon dont je prévois de présenter mon argumentaire dans la thèse. Donc parce que les questions, bon, peut-être que je ne l'ai pas dit suffisamment clair au départ, mais disons que les deux questions principales que je me pose, c'est de savoir quelles sont les échelles à laquelle on pense la justice distributive, et autre part, comment est-ce qu'un mécanisme technique, juridique et économique tel que la protection des investissements étrangers fonctionne comme un mécanisme de domination politique par soi-même. Et donc, ma réponse à ces questions procède en quelque part en suivant le schéma narratif d'un projet d'investissement. Mais donc, je commence par cette forme d'exubérance qu'il y a souvent pour l'investissement étranger. Pourquoi les pays désirent autant d'avoir des investissements étrangers? Comment, par exemple, d'ailleurs, ce qui m'avait étonné en Guinée, pourquoi dans cette chaîne de montagne en Guinée, les imams font des prières pour que des entreprises minières reviennent, très contraire à ce qu'on est habitué à attendre, surtout en Amérique du Sud et en Asie, où des entreprises minières ne sont jamais voulues dans pour des différentes formes de dégâts environnementaux et autres qu'ils causent. Et là, au contraire, il y a un désir. J'étais sur des chaînes de montagne avec des marabouts qui m'avait dit, qui faisait aussi des différentes formes, différentes procédures pour que les entreprises minières reviennent. Et donc, je compare ça avec des différentes scènes à Paris où, entouré de champagne et d'huîtres, on parlait dans des réceptions des magnifiques potentialités de gains dans l'investissement dans les projets d'infrastructure en Afrique. Puis je passe un deuxième chapitre dans un regard sur le contrat d'investissement. En fait, comment est-ce qu'un contrat peut être une forme de cristallisation imparfaite des désirs des deux? Et je utilise les différents emails qui ont été dévoilés dans cette procédure CRD que je suis, des différents pré-contrats et des contrats qui ont été négociés pour cette mine. Et peut-être là,
La troisième partie est la plus importante, c'est le deuxième chapitre, et sur les différents conflits qu'il y a autour de protection de propriété. Donc, où je suis, comment les notions de propriété qui ont traditionnellement existé dans cette partie de la Guinée, ont, sur la montagne, ont été abandonnées en faveur d'une propriété de l'État colonial, de l'État socialiste et des entreprises minières par la suite. Et comment ces entreprises minières peuvent utiliser de cette propriété qui leur est accordée par ce système de protection des investissements étrangers pour avoir une forme de gain sans production. Parce que ça va être long, mais Rio Tinto a pu utiliser en fait Simandou pour augmenter son valeur in the books contre une hostile takeover par BHP Billiton. Et BSR a pu en fait, gagner matériellement en revendant les parts à Vale et, sans qu'aucune protection, ben, production de substances minières a pu avoir lieu. Donc, je regarde ce contraste, je contraste ces différentes visions de ce qu'est la propriété et pour quelle fin il devrait être utilisé. Puis, au quatrième chapitre, je regarde la géographie juridictionnelle de production. Donc, pourquoi le technique juridique de juridiction et de les différents mécaniques d'accumulation de capital et en quoi, sur cet exemple de Guinée, les différentes formes d'arbitrage juridictionnel ont pu servir à des différentes parties. Et puis finalement, un dernier chapitre, j'espère, avoir quelque part une conclusion théorique par rapport à qu'est-ce qui est que cette mode de domination politique qu'on peut observer dans ces régulations de l'économie mondiale comme la protection des investissements étrangers. Voilà. Fascinant, fascinant, Gustave. Beau travail, du beau terrain aussi. Quelle est la relation avec ton introduction sur les différentiels nationaux, hein, sur les différentiels nationaux. Comment est-ce que cette protection de l'investissement international affecte les inégalités nationales, étant donné que les investisseurs, j'imagine, sont éparpillés un peu internationalement. Donc j'imagine que les investisseurs sont pas nécessairement des mêmes états que qui est-ce qui investit dans Vale, je ne sais pas, mais ça doit être international comme investisseur, etc. Donc, comment est-ce que ça se lie donc aux questions des inégalités nationales? Mm-hmm. Oui. Disons, si on regarde les flux d'investissement, c'est ce que j'ai lu dans la littérature secondaire, mais l'histoire des flux d'investissement, d'ailleurs, il ne chevauche pas très bien avec l'histoire de protection des investissements étrangers. Parce que pour la première décennie après la décolonisation formelle, en fait, les flux d'investissements étrangers sont surtout concentrés entre les États du centre, donc entre les pays d'Europe de l'Ouest, les États-Unis, Australie, Japon. Et c'est seulement à partir des années 90 qu'il y a que les pays du tiers-monde, les pays nouvellement indépendants, commencent à attirer massivement les flux d'investissement. Et peut-être, je n'aurais pas de réponse directe en quoi les flux, comment les flux d'investissement seraient liés la séparation territoriale par État, si ce n'est que, même en pensant de ce qui est un investissement étranger, on se base sur cette catégorie de séparation territoriale. Après, la protection de ces investissements étrangers passe toujours aussi
par un mécanisme qui est mis en place par les États, que ce soit dans un traité bilatéral d'investissement, que ce soit dans ce domaine de droit inventé dans les années 60, le droit transnational dans un contrat d'investissement entre un État et un investisseur étranger, que ce soit dans le droit national qui, dans beaucoup de pays à partir des années 80, sous le conseil de la Banque mondiale, offre ce privilège à des investisseurs étrangers de poursuivre l'État. Donc, quelque part, pour moi, ce choix de ce mécanisme concret, c'était juste choisir un mécanisme juridique ou juridico-économique, régulateur, qui participe à faire fonctionner l'économie mondiale. Donc, quelque part, je pars d'une présomption d'institutionnalisme que le capitalisme il est mieux étudié à travers les institutions concrètes et peut-être bon, c'est inspiré par l'école de la régulation que quelque part il peut y avoir multiples formes de ce qui peut être capitalisme et qu'entre ces différentes formes ce qui compte c'est de quelle manière sont structurées les institutions. Ouais. C'est donc un des noyaux institutionnels du système international capitaliste. Voilà, je veux dire, bien sûr. Ouais. Encore une fois, d'autres interventions. J'ai pas envie de monopoliser. Vas-y, Zeno. J'ai juste une petite question par rapport. Du coup, tu dis mécanisme de domination politique à un moment donné. J'étais très, très intéressé, enfin toujours, mais par justement, d'une part, des accords de libre-échange conclus entre des pays du Nord et des pays du Sud, la protection de l'investissement pays du Nord, pays du Sud, qui va de pair d'une certaine manière avec une augmentation des exportations d'armes que je ne comprendrais pas comme simplement une sorte de vente, mais une sorte de sécurisation de ces territoires qui va de pair avec ces accords de libre-échange et de protection de l'investissement. Donc, ce que je voudrais te demander, c'est est-ce que tu étudies d'une certaine manière aussi les modifications à travers le temps en termes de sécurité qui vont de pair avec ces accords de protection de l'investissement. Donc, je ne sais pas, d'autres stratégies de réprimer les populations, etc. Je n'ai pas encore fait cette partie de mon enquête, mais je ne suis pas encore tout à fait certain si je le ferai pour la thèse. Mais effectivement, quelque part dans ma tête, il y a l'idée, et c'est surtout venu après que j'ai pu élargir mon enquête, cette cas d'étude par la Guinée, de regarder en fait les alternatives à la protection des investissements étrangers qui ne sont pas peut-être étudiés autant dans le canon qui regarde beaucoup les relations entre les pays, enfin les principaux pays colonisateurs et leurs colonies, parce que la Guinée présente aussi de multiples autres types d'investisseurs. Et ce projet de Simandou en donne des géographies très différentes de ce qui est dominant dans la littérature. Donc, j'aimerais regarder, mais je n'ai pas encore fait, et par le fait que je parle russe aussi, d'aller voir comment, au temps de Sékou Touré, qui était le premier président guinéen, était conditionné les relations d'échange entre les pays de l'Est et la Guinée. Est-ce que pour les investissements soviétiques qu'il y a eu en Guinée, il y a eu aussi des formes de protection peut-être quelque part comparables avec ceux qui auraient été mis en place par les pays occidentaux principaux? Et puis, ces derniers temps, les principaux investisseurs, et bon, je n'ai pas raconté tous les détails autour de ce projet minier Simandou, sont quand même des entreprises chinoises. Et sur le marché mondial du minerai de fer, plus de 80% de minerai de fer qui est vendu sur le marché international part en Chine. Donc, disons quelque part,
le fond de cette histoire derrière et de ce contentieux, c'est l'augmentation du prix du fer qui va de pair avec l'industrialisation chinoise. Et donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est comment les investissements chinois en Afrique souvent conditionnent leur protection d'investissement un peu différemment. Donc, par exemple, il y a des prêts qui sont donnés à l'État sous la forme des projets d'infrastructure, ce qui se passe actuellement en Guinée, et qui peuvent être adossés ou sécurisés après par la saisie des productions minières. Donc il y a tout un moment dans mon récit par rapport à la renégociation qui est poussée par Chinalco et Baos Steel à un moment quand ils veulent faire sortir Rio Tinto mais ne réussissent pas. Intéressant. D'autres interventions? D'autres? Andara, vas-y. Oui. C'était juste une question par rapport à ce cheminement entre cette idée de mécanisme technique et juridique et accroché à l'idée de mécanisme de domination, accroché à l'idée de l'exubérance des investissements étrangers que vous avez donné comme peut-être une piste de liaison pour ces trois choses. Est-ce que vous avez des réflexions plus approfondies sur cela? Parce que notamment, c'est une question que moi, je me pose moi-même en venant du Brésil, et bon, voilà, où va aller s'y établir, et c'est tout un débat très ancien qui divise beaucoup les gens entre des gens qui sont complètement contre les investissements étrangers, et ça peut avoir même un côté fascisant, voir les années 30 au Brésil, et les gens qui sont en train de praise pour les investissements étrangers. Donc, juste pour savoir si vous avez de détails sur ce cheminement de pensée ou pas, si c'est juste une réflexion. Je n'aime pas décevoir, mais je crois que quand je suis assez au début de l'analyse de tout ce que j'ai pu faire, enfin, quelque part, j'ai moi-même plus de questions actuellement que de réponses. Mais la question de base qui m'intéresse, c'est de regarder comment un mécanisme technique de régulation de l'économie mondiale, tel que protection des investissements étrangers, fonctionne comme un mécanisme de domination politique. Enfin, jusqu'ici, quand il y a eu des travaux sur la protection des investissements étrangers, les économistes, ils ont beaucoup travaillé sur la paix. Est-ce que en fait, ces clauses vont accroître le flux des investissements? Et peut-être très typiquement pour les travaux d'économistes, ils ont resté inconclusifs. De l'autre côté, beaucoup de politistes ils se sont posé la question afin de savoir comment est-ce que ce genre de mécanisme limite la capacité régulatrice des États-nations et comment exactement il limite. Bon, tout ça, c'est intéressant aussi, mais ce qui m'intéresserait de voir, c'est de voir comment ces mécanismes, je prends cette formulation d'un livre de Béatrice Cibou, l'anatomie de la domination politique. Et où elle s'intéresse aussi en partant de Gramsci, Foucault, de Alltagsgeschichte et puis des travaux de certains économistes hétérodoxes de Bloc de l'Est comme Janusz Kornay, de voir comment les mécanismes économiques ordinaires participent de la domination et de quel type de domination. Je n'ai pas encore de réponse, mais c'est plus une question qui cherche toujours sa réponse. Et de l'autre côté, je vois effectivement, il y a tout ce côté, comment le fait de chercher des investissements ou d'être contre des investissements, enfin, ça a plus à voir avec tous ces... Enfin, les questions liées à la financiarisation et aussi la manière dont ce qui a de valeur ou ce qui n'a pas de valeur est déterminé par sa capacité d'être investissable. Je pense que il y a un travail récent qui essaye de quelque part mêler ces travaux sur l'emprise néolibérale dans la société et la financiarisation. Je pense notamment au travail de Michel Fer, Le temps des investis, où je pense que
je ne me rappelle plus le titre en anglais, c'était chez Soundbooks. Bon, je ne suis pas entièrement convaincu par son travail, mais n'empêche que je montre quelque part cette, une des manières dont, dont cela intervient dans la gestion de, la, de nos vies. Peut-être enfin, ce que moi je montre ethnographiquement quelque part, c'est qu'il y a toute cette effervescence autour de vouloir des investissements qui peut paraître parfois surprenant, peut-être venant surtout d'un fond où on serait critique envers la, la capacité des régulatrices des entreprises multinationales ou toute la montée contre les nouveaux traités méga régulateurs de libre-échange. Merci, merci beaucoup. Et tu travailles avec Rosalind Morris, j'imagine ou... Non, mais bon, je suis en conversation, mais elle n'est pas sur mon comité. Ok, ok. C'est qui sur ton comité? C'est Brian Larkin, Beth Bovinelli et Nord Ben Yehoyada. Wonderful. Très bien, très bien. Super. Ben, merci de présenter, de participer, de nous enrichir. Bon, merci tous pour cette journée d'études. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié vos présentations et notre collegiality. Je vous remercie tous. Est-ce que c'est OK avec vous si je partage le lien pour les autres qui ont peut-être pas pu être ici, mais qui voudraient peut-être écouter vos présentations? Ça marche, oui? Oui, oui. Oui. Oui, ok, parfait. Bien, bon, alors écoutez, donc on termine pour aujourd'hui et ensuite, vous êtes invité donc vendredi pour la journée d'études sur Sheila Benhabib, grande penseuse critique. Il faut s'inscrire sur le RSVP de Yale pour participer et puis vous serez invité à être attendees. Et ça couvre beaucoup de champs, parce que son travail a couvert beaucoup de champs différents, immigration, théorie critique, utopie, etc. Et ce sera un peu en conversation avec le futur de la théorie critique. Donc, ça devrait être très intéressant. Bon, je vous... Donc, à vendredi, et puis ensuite, à mardi pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et à bientôt, et merci pour vos présentations et pour la discussion. Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir pour vous. Au revoir. Au revoir.